grâce à Dieu seul et Fata Calves. Et son plaisir pour moi avec nous matin. Et ça fait longtemps qu'on a parlé pour nous devine Fonti, première occasion. Donc, c'est Mdakadi, c'est avec un grand fierté là matin avec nous. Et un blindage, il doit coûter, dépendant du niveau blindage. Parce qu'il y a B4, il y a B6. Et moi, c'est son président blindé en cortège, c'est sous B6. Donc, à ce moment, l'abdan 50-60 000 $ 60 000 dollars. Oui, à peu près. Okay. Donc, on vient plus avec valeur machine. Avec valeur machine. Okay. Et puis, il faut faire attention, le Yodi Prado. Est-ce que je vais parler de tête bœuf ou de Prado? Parce qu'en fait, il y a deux machines. Il y a un Prado normal là, et puis il y a un gros tête bœuf là. L'Encruiser. Gros tête, ça n'est les tête bœuf là. Effectivement, tête bœuf là, je pensais que l'a toujours coûté plus cher que yon. Un Prado simple. Que yon aux Oroquins. Mais un Prado, je ne compte Prado simple, a coûté moins cher qu'un Oroquins. D'accord, c'est une façon pour nous introduire, mais on a fait de façon normale, puisque c'est la première fois que nous recevons dans l'espace là, original Boulos. C'est pour raison ça demande pour ou même au présentateur à auditoire là combien membres dans famille y est, est-ce que les ou des souches haïtiennes, est-ce que de arrière-parents ou qui c'est nationalité étrangère. Très bien. Bonjour encore à tous les auditeurs de Caraïbes et téléspectateurs. Moi c'est Pierre Réginald Boulos et moi fait le 3 mars 1956. Donc j'ai 63 ans aujourd'hui là. Et moi, je suis ancien étudiant en faculté de médecine. Je fais New York. Okay. Et j'ai 63 ans. Dans 63 ans, je fais un an dehors d'Haïti. Le métal fait spécialité en santé publique. Moi, je suis étudiant en faculté de médecine. Moi, je suis ancien professeur faculté de médecine pendant près de 12 ans. Côté, je suis enseigné médecine préventive et communautaire. Et moi, je travaille pendant 14 ans dans la santé. Exclusivement, côté que pratiquement bureau, sans densité soleil, l'ITE, le SAM t'a occupé santé pour à peu près 550 000 mounes, Cité Soleil, La Saline, Petite Place Kazouk, Raboto, Cassoleil, La Fossette, Wanamed, Fort Liberté, Mont Organisé, Caris et tout département nord-est là en général. Moi, j'ai 4 petites et mon petite de 2 ans et c'est Pigolan, mon gain en vie, c'est pour petite moyen. Et j'ai deux filles, deux garçons. J'ai un garçon qui pratiquement prend relève dans gérer business yo, assisté de une dans ce lit. Yo deux, yo en Haïti. Et faut me dire que c'est yo deux qui t'es décidé après 6-7 juillet, leur été écrasé non, que yo voulait me reconstruire encore. Donc j'ai tout l'autre garçon qui est médecin, qui a fait spécialité chirurgie orthopédique. Et j'ai une fille qui est journaliste, qui fait journaliste Columbia University. Qui jodi a travaillé à Miami University dans Communication Department, département communication. C'est lui qui fait newsletter pour Miami University. Et que m'espérer, et joun ta reprend, parce que rêve moi c'est reprend le matin online, pour ta rentrer, venir d'em, et relancer et journal. Là. Et est-ce qu'il y a quelqu'un billet en termes de salaire, parce que côté lié à l'correct? Bon, écoutez, m'pas quoi, jodi a, motivation au monde, c'est seulement salaire. Alors, bon, m'répondre aux dernières questions que tu as posées. C'est Ariel Grand-Père qui est venu en Haïti en 1875. Ça veut dire que nous gagnons à peu près 144 ans depuis que nous sommes en Haïti. Papa me fait Haïti, papa me fait Wanamed. 1875? Oh, mais Ariel Grand-Père était colon. Hein? Il était colon. Non, pas de colon. 1875, après indépendance. Après indépendance. Okay. Et vous faites Wanamed? Non, vous faites Wanamed. Papa me fait Wanamed. Maman me fait Port-au-Prince. Et grand-père me fait Port-au-Prince tout. Donc, je suis né de père et de mère haïtien d'origine. Et c'est ça que fait, comme je pense que c'est une question que n'est pas posée, je vais adresser lui. Et c'est ça que fait que moi-même, je suis haïtien à part entière. En fait, et non situation, dénonce situation particulière parce que Haïti, c'est le fait que la Constitution a dit de pour né de père ou de mère haïtien, soit haïtien. Moi, né de père et de mère haïtien, et m'a souligné qui eux-mêmes, t'es haïtien d'origine. D'origine. Même fait New York, donc des nationalité américaine tout. Moi, non, c'est nationalité américaine, moi. C'est visa, m'a sous passeport. À quel âge? Moi, non, c'est il y a peut-être 22 ans, ça. Ok? Et. Et j'étais toujours un passeport haïtien.
bah j'ai pas un passeport haïtien. Et actuellement depuis le ça c'est sous visa voyager, visa américain. Pardon, un seul passeport, pardon? Un seul passeport, une seule nationalité haïtien. Et au 100% coton là. Vous êtes haïtien 100% coton. On était toujours haïtien 100% coton. Parce que son débat va faire. Renoncer, hein? Non, mais écoutez. Même là on va pas trop renoncer. Il y a des passeports. On prend jodi à petite diaspora. Bon petit en pile dans classement en haïtienne. C'est un gros débat lié. Parce que qu'elle fait petit tour à l'étranger. Qu'elle fait petit tour à l'étranger. Yeah. Mais si mon ça est attaché à Haïti. Pourquoi non mais on va pour tes tivers là pour nous chaque petit gros. Ma petit gros tout. Oui. D'accord. Et donc on pense que faut nous faire débat parce que diaspora a gain la caille. Faut faire débat tête faite. Cette fête, diaspora a une capacité économique que le Cavine investit. Diaspora a une capacité modernisante, d'Acadie, par rapport à ça le côtoyer. Diaspora a une connaissance, compétence, mélangée à expérience sacrée en Haïti. C'est le lit pour faire nouvelle Haïti en réalité. Oui, donc, dossier diaspora, c'est un dossier pour une chita, pour nous bien poser. Parce que je toujours dit, li, diaspora, il joue un rôle. Maman Pemba, dans la balance, dans l'économie et le pays, chaque fois que nous buvons, nous allons sur la diaspora. Pour le porter, écoute, mais pour nous idée sur la diaspora, nous disons étrangers. Ah, bravo, plus belle blague là. Effectivement, diaspora a voué 3,8 milliards de dollars. 3,8 milliards de dollars. Ok? C'est diaspora qui met Haïti en vie. En fait, si nous n'avons pas de diaspora, ça, pays ça a explosé déjà. La réalité, c'est que même l'or dollar a monté, si peuple qui vivent de transfert, ils subit le moins. Okay. Parce que le jeune plus goutte pour dollar là. Mais alors, pendant nous fait ça là, pendant la fait ça là, deux points diaspora veulent venir ici pour l'entrée dans la politique ou bien pour l'investir, nous bloquer. Okay. Nous bloquer Wyclef, nous bloquer Siméus, et puis il y a un secteur privé qui toujours kembe tibay pa yo pour l'autre bon pa vin pran tout. Et moi-même une n'a pas réfléchi l'autre jour, Naomi Osaka. Naomi Osaka, japonaise haïtienne. Papa haïtien. OK? L'œil gagner que nous vibrer, que nous tout vibrer. Li rive ici, président recevoir, il y a même dans la citadelle toute bagaille. Pas mandé pardon Naomi t'a dit. Un candidat. Je t'ai dit que le japonais ça a sorti. Sorti, oui. Donc, et son gros problème lié. Mais non, sur question, on dit que renoncé à, on citoyen qui m'a habitué par la veille là, qui dit que l'on fait sous territoire américain, donc on a un acte de naissance américain, il n'y a pas qu'à renoncer. Il n'y a pas vrai. On a un acte de renonciation. Et non seulement on a un acte de renonciation, ou pas jamais qu'à tourner sous lui. Elle dit si je dis à, on a décidé de retourner américain, donc, moun sa kap dou ça, c'est menti. Moi, j'ai un acte de renonciation que j'ai fait devant le consul américain, devant trois témoins. Et vous savez ce qu'il faut faire? Il faut venir trois fois de suite. Pour faire sûr que ce n'est pas pression qu'on prend pour faire ce qu'on va faire. Okay. Et les jours, de pour finir faire serment ça, qu'on renonce, on ne doit jamais capable de prendre la nationalité ça encore. Donc, moun qui dou ça, par contre, ça va parler. Et parents, c'est Libanais? Parents haïtiens. Parents haïtiens. Mes arrière-grands-parents sont du côté de papa, moi, c'est Liban. Okay. Du côté de maman, c'est Liban et Syrie. Docteur Boulos, société, mais qui j'en ai présenté Docteur Boulos? Je dis, Docteur Boulos, sont pas capables là. Tout régime, yo net, li là. Mais quand il commence avec eux, pas fin avec eux. Il prend exemple, Titine, par exemple. Et Duvalier, ou t'es là, après Duvalier, militaire, ou la red, donc, ou complice, n'a pote banana, bah, peuple là, mais kounia, ou dit gale, ou banana, gale, on dit crasse, pas fine, j'en te pensé là, yon te voulait tchou l'accord, mais ou gen mémoire, que ou se ou nan moun, pote banana, vini. Est-ce que c'est événement 6-7 yo? Qui mettait ou faut prendre 4 pas distance avec le régime en place là ou bien qui s'est passé? Bon, d'abord, Bob Bamdjou, ou dit un mot, ou dit Yodi. Moi-même, j'ai invité d'aller dans Yodi. Parce que
yo di sou mwen, yo di sou Patrick, yo di sou ou, yo di sou tout moun. Et di si mda, si mda val chèche ou envelop, bagay yo di sou nou chak la, yon pil bagay. Donc mwen mba remè yo di ya. Cependant, m'ap adresse fon kèsyon pose. Ok. D'abord, l'ou pale de Duvalier, mde gen 30 ans, à l'âge de le Duvalier allé. Donc, mba kwen mda ka nan, nan vraiment ou akte de Duvalier. Okay? Oui. Cependant, an pren 4 élections que fait yo, et m'de dit ça d'autre jour sous Davidson. Et candidat me supporté a perdu 3 fois sur 4. M'de supporté Bazin en face à Aristide. Okay. M'de supporté Maniga en face à Préval. Et m'de très violent m'a dit et dans la campagne contre Préval. Et ça fait que Préval t'a essayé de voir les gars sans sous-moi pour mettre m'en prison en 2008. Dans le TC? Oh, même dans le paquet tout bagay. Oh, dis-moi là. Oh, oh. Et avec une idée très ferme que jou ça, garçon te dit, on s'en mime, l'ap kembe quand même en dépôt. Oh, de welte tout ça. Hein? Le ça pas moyen avec frère. Ok. Oh. Et m'supporte madame Maniga en face Matéli. D'ailleurs, soit le gade dans Nouvelis, juste avant l'élection, Matéli te dit, m'tap fait faux sondage pour m'pousser madame Maniga. Ok. En fait, malheureusement, seul candidat que me supporte que j'aime bien, c'est Jovenel Moïse. Okay? Ah oui. Donc, ou elle me dit malheureusement. Mm-hmm. Parce que. Le récit supporte au monde qui gagne. Et puis, c'est Pigou imposture. Bah, c'est l'imposture. C'est l'imposture. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est Pigou déception que Mbrel dans vie. Et que bah, Mbrel dit là matin, pas choquer le monde. 3 mois après, Jovenel monté. Mal contre président Jovenel. Du président. La Kaili. Bon, et voisin, oui. Et voisin, oui. M'ba qu'on a le palais. On tout prend, on va bien parler le palais. Et comme dit que pendant que Jovenel président, m'ba qu'on a 5 fois la Kaili. Ok. Ok. Mal Kai président, m'di président. T'as m'ba dit là, on go bagay, oui. Eh oui, faut dire, nous gèk go bagay, nous gèk là. Ou vle réussi? Il dit, oui. M'di, sou vle réussi, faut faire avec Matéli. Ça préval te faire avec Aristide là. Kembel de yo. Ou pas qu'a gagne de président dans le pays. Il y a un mot tendu, non? A m'bat qu'on te dit ça. Oh! Mais là, non réflexion. Mais m'bral d'où déception bran. Pas oublier, non, de bon, non, t'en mè. Bon, d'où déception bran. Pas m'non copier. Non, m'bat qu'on est. A qui l'a dit ça? Qui l'a dit ça? M'vini non réflexion. Une semaine après investiture, Jovenel Moïse. Peu pas ici, a démenti. M'dit président Jovenel. M'bral d'où on bagay là, étudiant mieux. Ka kouri de M le mal nan sal matin. François Duvalier disait la reconnaissance est une lâcheté. M dit ti moun yo pa pran ça. La reconnaissance ne doit pas être une lâcheté. La reconnaissance doit être une vertu et ça me dit ti moun yo. M dit nan ka paola. M prescrit ou la reconnaissance une lâcheté a pour Joseph Michel Matéli. Sinon ou a échoué ou pa réussi mandat ou là. Bon, pendant moi-même, faut excuser Timounio pour qui ça me dit au plus servir pour une reconnaissance comme vertu pendant que ou même prescrit ou reconnaissance envers Matéli, il t'a dû on l'acheter pour qu'à gérer pouvoir là. Sinon, plus gros handicap, plus gros entrave. Vous pouvez le gagner sous 5 ans là, c'est entrave avec équipe Matéli. Bon. Je dis ça en semaine. Vous rappelez et dernière occasion pour que vous veniez. Oui. Bonjour. Qui l'a dit pour la reconnaissance en avril. La reconnaissance. Après moi. Oui, après. La reconnaissance est une vertu en Kembel comme ça. Pas oui. Ou pas obligé reconnaissant l'on n'est pas quitté au fait travail. C'est pas l'acheter encore lié. Oui. Est-ce qu'on en a les deux, c'est-à-dire que si après 7 février 2017 ex-président Matéli était entré la Kaili. À la limite, allons dire ça, Jean Préval t'a fait en 2001. L'Allemagne est là, nous n'avons pas décidé non, nous n'avons pas de rien. Oui. Ok? Ou pas ta qu'a dit président Jovenel, faut le faire Jean avec Matéli. Mais là, on est fait un cabinet, ou pas choisir un ministre, sans ancien président choisir presque tout ministre, ou qu'on problème, ou décider, ou son doublu. Oui. Donc à ce moment, si tu as décidé de prendre courage pour faire sortir, m'pa ta gen problème avec li pa li pon aspect okay. Ou acte de non reconnaissance même pral du pirèt là et son série de accumulation parce que ou pral rive sous question 6 7 juillet son série de accumulation qui mettait m'jodi a côté mia par rapport à président Jovenel parce que son moun mwen konnen depuis 2004 oui
Et Jovenel te conduit dans le bureau. Dans le bureau ou et Jovenel a raconté Salta MF et dans Nord-Ouest, Salta MF dans Nord-Est, Salta MF au Cap. Il y a qui te un projet, usine solaire pleine du vent et aéroport pour port de paix. Elle dit c'était que, plein de barrières dans la tête. L'on y a qui raconte tout, tout barrières. Et puis là, il a pas la voix. Elle dit le cabot au centimètre cube, combien de l'eau dans telle rivière, combien de l'eau. Ah non, ça vient dans l'émission, là, il bat tout le monde. Mais, chiffre là, il bat les papiers, il dit M'bren un bluff là tout. M'bren un bluff là tout. On dit pas, je dis, m'bren un bluff là, et c'est pour ça que je parle de l'imposture. On dit bluff, mais on dit ça au grand même. Parce que, non, mon deal, où deal, où deal, il vient là. Il a l'on bonne bagaille pour convaincre nous. Hein? Il devine là, ouais. Mais c'est même pas là. Bon. Il a lancé le groupe 18 novembre. Nous avons un espace en pile candidat là. Bon, il a pour monter sur lui. Tellement d'hommes dans les bagages, il a déposé. Donc, ou même, mon cas dit bluff. Oui, non, mais déception là, il vient à partir de qui ça. Oui, il est déception là. Mais bon, consommer. Écoutez. Et depuis le d'abord budget 2017 là. En le budget de les malations, budget criminel. Criminel là. Ok. Derrière président Jovenel, je ne peux pas comprendre que c'est sous Pipitio qu'on monte taxes et pour ne pas monter taxes sous Pigoyo. Et que moi-même qui vends machine, je recommande de monter taxes sous toute machine de luxe et puis retirer au contraire, retirer avec. Augmentation carte d'identité, passeport. Bon, je suis même venu avec une idée pour lui. Je suis calculé ça a coûté 28 millions de dollars. Je dis que tout haïtien premier passeport gratis. On offre tout haïtien premier passeport gratis. Ah oui? C'est un bel bagaille. Même si son passeport est un an bali. Parce qu'on est dans un an, on va le faire comme ça. Il va le renouveler, on va faire comme ça. Non, mais pas de problème. Zombie, vous êtes seul, il va pas de problème. Passeport, la vlette, passeport. Non, parce que nous avons un problème d'identité dans le pays. Nous avons un gros problème d'identité dans le pays. Ouais, par exemple, sous Talon, on va parler de ça, de scandale, nouvelle carte d'identification nationale. Oui, il faut parler de l'identification nationale qui permet de chaque citoyen. Et c'est ton façon pour te montrer que vous voulez rapprocher de peuple. Et peuple, passeport important pour lui. Et pas de vous dire le parti, non. Mais passeport, écoute, majorité américaine qui a passeport dans mes yeux. Majorité dominicaine qui a passeport dans mes yeux. Pendant le gars, c'est d'où là, c'est ça? Pendant le gars, c'est d'où là. Donc. Quand il est temps après rentrer l'argent, ça, non, passeport, étant donné son passeport subventionné. On ne peut pas parler de rentrer l'argent, parce que tout à l'heure, on va parler de gaz, là, on va le montrer. Combien de copes gaspillés dans le pays d'Haïti qui a fait pile bagaille? Oh, on a une idée que tu as rentré quelque part. Oui, quand tu as rentré comme là. Elle dit que. C'est pas comme qui manque dans le pays, monsieur. Le mot président parti, Allemand de Taïwan, 150 millions de dollars, sont où entre parce qu'il y a plus que 150 millions de dollars à terre. À gaspiller? Dans le contrebande, non seulement, il y a 450 millions de dollars. Dans l'impôt sur le revenu, il n'y a pas payé. Et ce n'est pas seulement le secteur privé, non, le secteur privé, son gros morceau. 400 millions de dollars dans le contrebande. Dans le contrebande, sous frontière. Il y a 300 millions de dollars impôts sur le revenu. Vous comprenez? Donc, bon exemple encore de professionnels qui ne payent pas. Monsieur, comment nous voulons qu'on premier ministre, si pas le premier ministre, c'est la veille, il a payé 5 ans en arrière. Jacques Guy Lafontaine, c'est ça le fait. Oh, ça veut dire qu'il fait 5 ans, il ne va jamais payer taxes. L'on est qu'on savait un premier ministre, qui moralité au gain pour dire à un citoyen haïtien, faut payer taxes chaque année. Nous sommes l'un des rares pays que la faute fiscale n'est pas criminalisée. On n'est pas payé taxes, ou fait 10 ans, ou aller, yo bo amen, et bon, quand ça arrive, ça veut dire que ce soit un secteur privé, que ce soit professionnel, il préfère prendre chance là. Il dit, je vais barrer, mais il y a bon moi, amen, m'appelle. Mais s'il te connaît le bras, il prend un an de prison, il ne peut pas prendre chance là. L'autre disait, docteur, il le disait si bien, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Dans si recherche nous fait, ou bien dissiper les nuages pour nous, il a révélé que, ou nous parlons de Yodia, parce qu'on dit Yodia, et tout côté Yodia. Grand matin là, Yodia. Vive côté Yodia. Tenez, il a révélé que, ou même à président Jovenel, c'était Cocotte avec Figaro. Entendons-nous bien, comme deux bons voisins. À tel enseigne, président Jovenel, l'élevine avec caravane, l'a frappé pour tout. Non. Et non, attendez, ça m'a pas dit. Yo baou, yo débloquons l'argent, baou, pour aller acheter matériel.
yo di nan matériel sa yo ou bay yo Moïse Jean-Charles voyon fon coup de volant sou ou en daki nan émission là avant hier mais nous comprenons nous grand timon il dit que puis faut ce matériel ribil et puis vous voyez couche peinture nettoyer si en dedans parce à mourol soudash et vous vinn lagué on encore ça eli a pris neuf mais quoi bio te ba ou pour matériel pour ba caravane les tracteurs ba ça yo non seulement ou ba yo faux bon et puis à peine ou ba matériel pour 60% dans l'argent et puis reste 40% gaillé dans la nature et 40% ça on pas vle ba détail ou pété content pété ce qu'on goûte. OK, d'abord premier côté bam font tirer aller sous amim Moïse Jean-Charles. Tu vas citer non? Non, il dit il dit nèg troisième voie. Il dit nèg troisième voie. Il dit nèg troisième. Ah oui. Non, OK. Non mais troisième voie. On t'a coûté le tout. On nèg qui dit devine la crier ta petit bébé, il dit troisième voie pour nous casser pour être l'eau prendre amen. Bamjou. Moi je me dis bam parler de amim Moïse Jean-Charles parce que son monde que n'a suivi depuis longtemps, nous bien depuis longtemps. Il y a des moments même que nous te travaillé ensemble. Okay. Et moi, c'est fort camarade Moïse Jean-Charles, faire attention à Osei de Alicadi. Parce que. Ça va nous relou la bonne chose. Nous allons venir sous question. Nous allons venir sous substance. Là. Mais Bob, nous allons venir Bob, nous venons sous substance. Là, mais nous allons venir sous substance, là, mais sous la forme même. Yeah. Lorsque des hommes politiques, parce que je dis qu'ils sont hommes politiques, dont même bataille, pour déraciner un président qui a tout pisé peuple là, faut faire attention pour ne pas avoir l'impression qu'on a décodé pendant qu'on a codé. Elle dit que ça, c'est une problème. Là, avec moi, pas les noms, non, pas avec moi. Je ne parle pas là. Et c'est de manière très amicale, je dis ça. Parce que je connais pas, c'est pas ça l'a fait. Mais le cabaret perception, c'est ça l'a fait. Donc, il faut le faire très attention à aspect ça. Parce que nous-mêmes, nous avons bataille la net. Et nous, ensemble à toute opposition, hein, côté quoi, pour nous être présents au Cap, dans l'initiative marienne, nous sommes présents à Mirbalet, nous sommes présents dans Papaye, elle dit que son seule opposition pour faire, plus l'uni, plus il y a force. L'union fait la force. Oui, problème de confiance qui est posé. Hein? Problème de confiance. Bon, immédiatement, on va poser problème de confiance. Là, okay? Maintenant, même côté pour vous, pour y un Mabdou qui est correct, l'État n'a pas mon goût. Ça crédit me vend. Oh, bah, matériel. Matériel. Financement pendant 4 ans. L'État n'a pas un dollar pour le déraper. Donc, il n'a pas pris comme l'État. Ok? Et c'est chaque fois livré matériel là que qu'on y a l'ajouté dans quoi yo douero. Donc si m'bat livré matériel, il va taper 2000. Donc ouais déjà, moun qui inventé ça, il pas comme ça l'a dit. Deuxièmement, l'État a signé un contrat de 295 équipements avec Autoplaza, pas avec Reginald Boulogne. 295. Combien nous baille donc? Et même pour pour vous, certificat d'accomplissement. Certificat d'accomplissement, on est qui dans Tessina, qu'a comprendre ça ça veut dire. Lorsqu'on remettre un équipement, yo spécifié, yo bon première réception, yo bon réception provisoire. OK. Lorsqu'on bon réception provisoire après un certain moment, yo bon réception définitive. Certificat dit tout simplement que nous remettre tout équipement yo et dans les spécifications et dans ça que t'es commandé. Troisièmement. Pas un équipement que me livrer qui pas modèle année 2018. Or, contrat signé en octobre 2017. Côté nous qu'a vérifié ça. Ou qu'a vérifié dans machine yo même. Machine, écoutez, toute machine gon plaque qui ba ou anel, qui ba ou modèle, et m'bal dou piret. Affaire ribile là, c'est pas là. Mais Bob, c'est si m'ta fait, m'ta tué tête, mais m'bal dou giza. Contrat dit tout pendant 4 ans, entretien sous compte main dans même prix. Ok, pendant 4 ans. Pendant 4 ans. C'est-à-dire que tout entretien m'a fait là, c'est quand l'État déjà a payé pour lui. Donc, si je t'avais pour machine ribile, comme ça veut dire, c'est moi-même qui tire tête dans le pied. Okay. Parce que là, ça m'a fait plus d'efforts pour me faire, pour me faire une machine en fonctionnement. Quel que soit. Combien de matériel ça a coûté en tout? Pardon? Combien a coûté en tout? Bon. Parce que vous connaissez une enquête là. 295 équipements ça. Combien de caravanes ça a coûté? Non, 295. 53 millions de dollars. 53 millions? De dollars.
OK. Ah oui. C'est un appel d'offre qui t'est fait. Un appel d'offre et forme de contrat ça signé par la Cour supérieure des comptes. Des comptes. Par la Commission nationale des marchés publics. Revue d'ailleurs, appel d'offre là, c'est Commission nationale des marchés publics lui-même qui t'est écrit à travaux publics. Donc, vous ne pouvez pas trouver un good, vous ne pouvez pas trouver un grain de matériel. Vous ne pouvez pas trouver un grain de matériel. Seulement, la machine, vous pouvez venir, vous faire service. Vous ne pouvez pas même venir faire service. Vous avez un service côté hier. Parce que vous ne pouvez pas commander une excavatrice ou un loader pour le sortir nord-est pour venir faire service. Nous avons 7 pick-up avec techniciens sur eux qui ont fait service à travers le pays pour toute machine. Donc, qu'est-ce que vous contre ça ou même avec l'État haïtien? Pas l'empile. Ou pas doué ou pas doué? Bon, je dois, il y a payé chaque mois. Nous, c'est 4 ans financiers. Ok. C'est moi-même, je finis livré. Je ne peux payer. Pendant ma palavre, je dois toujours 20 millions de dollars. Ok, mais comme 4 ans pour arriver. Oui, mais ça me doit. Oui. Donc, après que les gens ont dit que c'est comme mal prend et puis me vend équipement. Okay. C'est la première fois que le secteur privé finance l'État haïtien. Oui. Ok. En tout, pendant la phase, ça, docteur, en tout cas, net, il dit que même esprit que vous avez fait, ou même avec le président Jovenel, bah, il a venu virer qu'il n'y a pas voulu monter même cheval. Il dit on push pour faire un coup de tête dans l'ONA. Il est arrivé dans l'ONA. C'est pas vrai. Le contrat de l'ONA a été signé sous le gouvernement privé. Donc ouais, on s'arrive, où sont ton bagage? Bon, faut faire attention. Oui. Ou dit journaliste sur fait enquête. Mais si journaliste était fait enquête, explication ça t'a bien. Donc il faut pas que nous on y prend oui mais dans mon monde et puis nous vienne dire son enquête. Mais problème journaliste gagne. Oui. Laissez bon monde. Moi même beaucoup grand monde qui relève pour me pas réponse. Attendez non doc. Laissez bon monde longtemps courir qui Papi Loubasso. Et papa peut brûler tout. C'est tout devant. Papa, il voit après ton passé, c'est vrai. Mais quoi notre tchichin? Attendez. Laissez mon temps pour yo qui ont un contrat en entente à l'État. Que toi on a les sous hier dans boîte là. Des boutades directeur à ça, il peut te courir pour, il peut puis wabao. Elle va voir la gueule dans ça. Yo la gueule dans cour, un job lui venir rapper, ou venir mettre dans ça. Non, pas bon détail. Moi son monde garder. Attendez, en toute vérité. Non, bon, on les dit bagarre là et même pour rester mission. Oui. Nous sommes un monde qui n'a jamais peur aucune question. Ok. Dans mes aucun journaliste. C'est ça. Et ouais, après matin là, je n'ai aucune question, je n'ai pas problème avec elle. Ok, c'est ça. Parce que nous sommes un monde qui est ouvert, transparent. Je n'ai pas de problème pour me parler, tout ça. Et si je fais un bagage que je pense que ça me fait pas trop bon, je dis, mais ça me pense que pas trop bon. Vous comprenez? Même pas le virer. Oui. Pour me parler. Ok. Donc, pour la vérité, pour l'histoire, combien de quoi vous avez? 700 millions de gouttes. 700 millions. OK, il forme du que sous 700 millions de gouttes ça pendant que sénateur, député et l'autre nèg secteur privé prêter quoi dans ONA mais c'est boulot seulement ouais. OK. Mais c'est vrai, c'est boulot seulement quand on t'a parlé de lui. Il y a des gros l'autre des gros bail dans même. Il y a sénateur qui prêter passer. Ah bon? Ah ouais. M'a cité non, c'est pas moi même c'est pas job moi ça. Moi gain 1 an et demi bon. Pas plus que pour là. Non, la misère. Ou qu'on guerre soit pas. Non, ou qu'on guerre lié. OK. Bon dieu. Gain 1 an et demi. Qu'on hier m'a demandé directeur ONA. OK. Publier la liste toute prêt qui fait et qui pas payé. Correct. Pour qui ça va jamais faire. Ouais. Bon moi même mais combien quoi payer en intérêt. Ah oui. À date pour ONA. Ou aller le bonnet. Prêt pour là, qui a eu le prêt ça? C'est pas un prêt leader, son placement. Placement. Son placement pour qui raison? C'est qu'un coup, on a pendant 10 ans associé dans Universal Motors. On a fait 1,5% en dollars sur chaque machine que je vends. Depuis que je vends une machine, on a 1,5%. Plus BL, intérêt. Au total, au 30 juin 2019, sous à peu près 24 mois, et on a 1 292 000 dollars américains. Américains. Prême à jour. Eh bien, il y en a même là. Je n'ai pas payé on a. Et on a touché tout cobli. Le à deuxième bagage. Je n'ai pas gagné retard. Jamais. Je n'ai pas pénalisé. Jamais. Je n'ai pas gagné retard. Je toujours mettre date. Ou je n'ai pas payé le 3. Je n'ai pas payé le 15 du mois d'avant. Oh oui. Aussi parce que son, pour moi, c'est une plus belle placement on a. Ok. Et si on a fait 15 placements comme ça, on a tapé un cop de mail. Mais on a aujourd'hui à son véritable désordre, son véritable gabegie. Moi-même, quand j'ai eu deux nègres dans le secteur privé, je ne vais pas citer non, qui a eu deux après plus de cop que moi, une en 2012, une en 2014. Il faut que j'aime rapporter on a un goût.
Dans quel salaire tu as investi? Non, je ne vais pas aller. Ah non, push. Non, Allemand de Chesnel. Allemand de Chesnel. Pour regarder où Allemand est. Non. Pour le mettre liste nègre de yo, well. On a son placement, ça veut dire un placement participatif. C'est quand on a dit, Bob, je vais acheter Nissan, je vais faire tout le cobla, mettre le cobla avec, et puis pendant 10 ans, je vais boire. Non seulement je vais mettre le cobla, mais pendant 10 ans, je vais boire 1,5% de toute machine que je vais vendre. C'est une belle affaire. Ok. Imagine si on a dégagé ça dans 20 grandes maisons de commerce dans le pays, comme il t'a fait. Le problème de l'ONA n'est pas là. Le problème de l'ONA, c'est que la loi de l'ONA dit que. C'est bien comprendre ça, on a contribuable qui fait assiette fiscale là, entre plus comme en Haïti, je dis. Mais quand même, l'année dernière, comme taxe. Ah bon? Ou est-ce que tu as marché pour? Cher Doc, il y a un document ça. Ou est-ce que tu as document sur le bon là? Mais pour auditeur, combien cob les entreprises d'origine Al-Boulos payent l'année dernière en droits et taxes? Li en bas. Non, 17 millions, près de 18 millions de dollars américains. 18 millions de dollars américains. Mettez le pour auditeur. Et Mabdou Bob, pour jamais parler ces jours-ci contre le gouvernement. Sous battre. Si battre, tu as fait même déjà. Est-ce qu'on a quoi? On va lâcher tout. Parce qu'on a pas d'affaire. Il y en a qui parlent fort, pas clair. On va ne pas parler fort, pas clair. Mon cher Baboulos. Et ouais, gouvernement. Baboulos, je t'ai trop content. Je t'ai trop content. À le chercher, bagaille, mes sous. Docteur Boulos, Kounia, nous finissons arriver dans la phase ça. Alors, on va dire, on va dire, fais le rapide vite parce qu'il y a un pile de bagaille pour nous. Non, on va dire, parce que nous croyons que c'est plus gros des ordonnats. La loi sur l'ONA dit que les revenus de l'ONA. C'est 10% de revenus qui pour servir pour frais de fonctionnement. Ok. Vous combien lié? 62%. Au 62%? 62% quoi entrer on a entré pour ta servir pour pension mon pied devant. Il dépenser dans fonctionnement on a chaque mois. Chaque mois. On a son entreprise qui besoin d'un audit permanent. Et moi je vais très fort matin là. L'homme fait placement au NAM, tellement qu'on aime font belle bagarre pour au NAM, je ne pas réaliser que tu as une perception négative. Ça. Parce que j'ai une perception négative. Ouais, toute journée, à fois même. Oui. Okay? Si je réalise ça, je ne pas même faire. Mais quand je vais aller au matin, si Chesnel paraît pour le mettre publié, tout prêt au NAM, et demander tout sénateur à député payer, je vais payer demain matin. Ah oui? Oui. Oui. Si Chesnel décide de demander tout sénateur, tout député, tout autre secteur privé, paye comme yo. Moi, je paye demain matin. Ou tout paye cash, je paye. Ok. Je vais le prendre à la banque, mais. Correct. Donc, docteur... Mais c'est l'eau qui a perdu. Mais ça va faire ma fête. Docteur Boulos, on allait. Kounyan Cité Soleil. Oui. Avant hier, je vais prendre son vidéo. Pour toi, jouer boule avec le peuple là. Non, jouer boule avec le peuple là. Le peuple là content, bat bravo. Et si tu es n'est qu'il y a un contrôle là-dedans, c'était titide. Mais depuis quelque temps là, nous essayons au bout, il y a pas de bravo. Mais dans l'intervention, moi, fait un coup de volant. Et même j'en comprends d'Aki, moi, Jean-Charles avant hier, je comprends un coup de volant d'Aki, ça a offert. Dans le même coup de volant d'Aki, où vous dites, regardez, j'en cite, bah, clair, bagaille, tout le monde, l'école, vous mettez l'école. Bon, l'école où je vous félicite, l'école où, bah, lauréat. Dans l'examen 9e en bas. Oui, oui, vous suivez vous? Absolument. Donc, dans le coup de volant, on fait, ou elle fait un coup de volant, ou tombe sous Christine Jeune, ou tombe sous l'Armée Rouge, ou tombe sous Général Titi, et puis on dit, depuis les pays, il y a tête en bas. Qui soit vous voulez dire même? Non, je ne dis pas ça l'autre jour dans Cité Soleil. Oui. Je m'habitue dans la même vidéo, je vais regarder. Je ne dis pas ça. Non, dans la vidéo, ça, dans l'homme d'Al Joué Boule, je ne vais pas parler de Christine Jeune. Je vais plus parler de côté bandit. Ok. Parce que pendant que je marche, quartier populaire, c'est zone bandit. Moi, j'aime beaucoup un rapport de CPJ qui parlait de bandits dans Cité Soleil. Mais mon rapport de CPJ qui parlait de bandits dans le Sénat. N'est kidnappeur, n'est qui a le volé comme dans une banque. Et bah, ça, donc moi-même. Oh, bon, des CPJ, mettez un rapport de sur la salle. Non, son massacre la salle. Non, non. Écoutez, rapport de CPJ au contraire. Souvenez-vous, souliant parler de lui. Comment vous voulez un rapport de CPJ confirmé par les Nations Unies et par le Réseau National des Droits Humains? Sous
implication un délégué départemental et un directeur général au ministère dans un massacre la Saline et puis pour nous avoir un poste toujours. Ah oui. Ça n'est pas acceptable. C'est ça que gros bandit a. C'est ça que fait l'homme dans la cité soleil. Je dis peuple là, même rivé dans le match là, je cherche bandit, je ne sais pas. Je dis quoi de bandit, le peuple a répondu, mais dans le palais. Je dis qui l'autre côté bandit y a encore, il dit dans le parlement. Peuple a contre côté bandit. Moi même moi fais. Mais côté, il y a grand pile qui fait social là-dedans. Et au bas, il y a coup de main dans le social là. Qui est-ce qu'on parle? Je soit parlé. La cité. Non, moi même pas serve à monde, serve à fondation, serve avec association. Si on gagne fondation. Non, mais écoutez, bon dieu tu bagarre bon. Bon, attends-moi. Si on gagne fondation, qui monde qui connaît fondation? Et l'État. Une fondation reconnue. Alors même pour financer une fondation, faut reconnaissance. Ah, faut moi reconnaissance. Ah bon? OK. Faut moi reconnaissance. OK. Même mon association, faut moi reconnaissance affaire sociale ou. Donc quelque part, on pas comprendre. Bah, on a fait un petit gamme, on a fait une fondation. Okay. Le mal non match football, moi, 3000 moun que qu'on championnat football fondation Gabriel organisé. Je ne sais pas de qui ça a parlé. Okay. Vraiment, je ne sais pas de qui ça a parlé. Alors, peuple cité soleil, là, lui-même, il n'y a pas de droit à jouer au football, il n'y a pas de droit à l'école, il n'y a pas de droit à gagner la santé. Je ne sais pas, Bob. Je fais 14 ans cité soleil. J'ai construit avec ma jeunesse l'hôpital Sainte-Catherine. En 2000, en 95, l'homme quitté Cité Soleil, l'hôpital Sainte-Catherine t'a fait 800 accouchements par mois, à 75 gouttes accouchements, tout bagaille compris. C'est-à-dire manger, médicaments, docteur. Ou bien 75 gouttes ou pas qu'on a rien encore. Mal visité l'hôpital là, jour match là. On crié. L'hôpital là pas même de cabane, ni pas de porte. Rele docteur Julien qui est dans l'hôpital là. Là, l'hôpital là pas rien. Alors, où on gouvernement en 95 qui mettait dehors Cité Soleil, le pouvoir politique mettait dehors Cité Soleil, pendant que tu as fait bien Cité Soleil. Là, nous sommes Préval. Nous sommes Aristide. Aristide. Nous sommes Aristide. Préval vient en 96. Ok. Et puis, c'est trois fois il manquait assassiné. Et je connais que c'est le pouvoir qui a organisé. Donc, pas de problème qu'on mette dehors, soit fait mieux que moi. Ok. Moi, je ne peux pas mettre dehors pour Jodia, lycée à Pap Maché. Je ne peux pas mettre dehors pour l'hôpital Sainte-Catherine, qui est en référence dans le temps. Pap Maché, elle m'a dit mon Cité Soleil. Moi-même, c'est sous les journalistes qui ont fait enquête, dis-le, elle visite Sainte-Catherine. Son tristesse. Et ouais, joue ça, je finis de visiter, je me dis, je ne pas promettre, je ne pas faire promesse pour ne pas faire de promesse. Je me dis, je vais le dégager, moi, si je vais faire une cob. C'est quand l'école m'a construit la saline dans Bob. Son l'école qui crase dans le tremblement de terre en 2010. Tout président descend, Matéli descend en bas, Martine Moïse descend en bas, yo di yo pral faire l'école là. Un y pa jam fait. Ou konsa l'école là te tourné, côté mon a poupou, côté cochon a manger, côté a plagué mort. Ah oui. Et puis monsieur la saline yo voye photo a moi, me dit m'pa ka continuer comme ça. M'rele 3-4 nèg secteur privé, me dit monsieur on metta avec. Moi, j'ai ramassé 325 000 dollars américains. L'école l'a presque fini là. Puis belle l'école qu'on a dans la Saline. Primaire, secondaire. Non, jusqu'à 9e année fondamentale. 9e année fondamentale. Ok? Même j'ai un Cité Soleil. Et l'école Cité Soleil là, non. Ou Cité Soleil attention. Ou la Saline. L'école Cité Soleil là, depuis 1980, oui, n'y a pas pour politique, non, nous faisons. Il y a 39 ans, si mon n'y a pas payé un goutte, pas de frais d'inscription, pas d'uniforme, pas de manger, pas de écolage. Gratis tiché. Ou quand il saute l'autre machine et vous descendez la saline sans tête chargée, sans gratter tête. Vous avez mal dans la semaine. Malgré comment l'école l'a construit. Vous faites un peu de monde qui a fait non là. Descendre la saline. Mais un peu de monde qui a descendu Cité Soleil tout non. Ah oui. N'est-ce qu'il met Cité Soleil, il va aller non. Il va aller. Non, il va aller. Et vous avez fait coup de volant, Christine, jeune. Non, dans le discours, ça ne va pas parler de Christine. Oui, même jeune. Mais malgré tout, oui, non, mais écoutez. Écoutez, Bob, là, vous voulez manger un boulot, soit faire gang, alors que c'est faux, faut chercher l'origine des gangs. Le premier gang, c'est l'armée rouge, en 1991. L'armée Titia? L'armée Titia, l'armée rouge de Titi. Et effectivement, le peuple haïtien ne doit pas finir une histoire avec Christine John, il faut nous le dire encore, parce que je pense que faut nous faire un bus pour Marie-Christine John. Ah oui. Son petit policier,
président Aristide décide de descendre Cité Soleil pour la mettre la paix. Et puis, général. On dit une jeune policière. Une jeune policière. Une jeune policière. Et d'ailleurs, soit sur YouTube, soit jeune côté la Paléa, oui. Qui a une personnalité. Et puis, président Aristide Campé, à l'autre côté, général Titi, un vrai mon chef de gang. Et puis, président Mandé, Marie-Christine Jeune, pour le bail, général Titi l'en main. Marie-Christine dit président, constitution pas permettre mes bail ou gang armé la main. Dit le déposer les armes, ma balle l'en main. Ok. Moins de deux jours après, yo jwenn ni mouri, violé, assassiné, traumatisé, route de frère. Ou relève les dons bail. Non, même une question pour vous. Ou t'as quitté le fini à Christine, non? Il faut qu'on finisse l'histoire, non? Non, je finis avec elle. C'est une façon de dire que, pour moi, Marie-Christine Jeune représentait... Symbole de martyr. C'est pas un martyr. Symbole de courage. Oui. Son symbole de courage et symbole de pilier. Pilier société haïtienne, là, femme. Parce que, ouais, pendant nous sommes société très machiste, pilier économie informel, là, c'est femme. Moi-même, là, je travaille, c'était soleil. Dans mi temps journée, je marché. Moi, les femmes qui vendent de l'eau sous tête, qui ont un bac, qui prennent dans le marché, qui prennent dans l'ouvrier. Monsieur, c'est beau, il y a fait, je domine. Ah oui. Et puis, il pincette dans les oreilles. Nous, t'es sous Jean-Bertrand Aristide, mais je dis, pourquoi non, c'est même insécurité, pour que Malbaou. Qui ça pour la population en quoi? Je dis, on vini avec sous insécurité à côté de sortie, il pompage le rivé là. Mais toujours dis, information rapporté que. Le Parlement haïtien, donc pas en entier, un bon parti la donne, et les hommes d'affaires en Haïti pour protéger l'intérêt, ils ont une parfaite infiltration dans l'armée, tout le monde qui a de l'école, avec de gros armes qui vendent très cher, et je dis à mes conséquences là. Qui sont qu'à dissoudre causer ça? Bon, bon, nous, tu vas bien. Nous, quand on doit parler, on prend un problème matissant. Ok? Comment vous voulez dans le pays? Depuis que je venais le monter, le problème matissant existait. Ça va le faire presque deux ans et quelques, le problème matissant a existé, l'augmenté. Et puis, pour l'État, pas de capacité pour résoudre le problème ça? Bon, nous, tu vas bien. Est-ce que nous avons parlé de capacité ou volonté? Non, les deux. Les deux. Okay. Bon, les deux. Ok. Les deux sont les volontés. Qui ça? Vous n'avez pas à voir. Parce que qui ça l'État a doit faire? C'est deux voies parallèles. On voit rentrer dans la zone ZAO, venir avec programme pour jeunes, formation, programme éducation, bail aux outils, formation professionnelle, faire programme pour permettre jeunes de joindre un lot de bagaille. Et puis parallèlement, on vient avec une présence policière. Mais ça qu'il ne faut pas faire présence policière, on ne peut pas ça. Parce qu'on a la police aujourd'hui, c'est sécurité là bas, ministre, c'est directeur général, député, sénateur. 4000 pendant que mon a mouru. Vous imaginez, est-ce qu'on comprend le problème Matisse en ça? Bon, c'est beaucoup quatre départements, c'est quatre départements avec moitié département l'Ouest là, qui bloqué. Ils ont éliminé Carrefour de la carte géographique. Puisque moun pa kal kafou. Et puis, un gouvernement rété, l'a dépensé 27 millions de gouttes dans des malogues, l'a baillé des sénateurs 100 000 dollars pour faire un vote, l'a baillé chaque député 50 sacs du riz et 500 sacs du riz pour faire un vote. C'est de l'immoralité. C'est de l'injustice pour le peuple haïtien. C'est inacceptable. Donc, tout ce qu'on dit là, pas qu'à connaître, si vous n'êtes pas le parlementaire, m'entendez. Dans des nègres dit avec voix que yo te fait kidnapping. Certain que dans mafia économique là gen nèg qui dans pays gang. Mais c'est l'État qui ne fait pas son travail. Parce que c'est l'État d'abord qui prend comme intelligence que le gagne, li boit li mange li. Li pa fanyen avèl parce que c'est intelligence ou besoin. Pour capable konnen qui moun k'ap bay zam. Ou gon tout n'de fait, Bob. M'di, et m'di l'an discours Cité Soleil là. Moun Cité Soleil pas fait zam.
pas de boutique ZAM dans la Cité Soleil. Mon artisan pas fait ZAM, pas de boutique ZAM dans la Cité Soleil. C'est pas yo qui a commandé conteneur ZAM que yo kembe, que j'ai des yon kembe pendant quelques jours et puis après ça va faire la guerre. Nous pas jamais fin une histoire mercenaire. Donc, faut aller chercher bandi au côté yo. Ils sont connait des mercenaires. Rien. Bah quoi j'aime comprendre. Ou j'entends nous. Non, pas antenne, pas antenne. Bah un service d'intelligence. Aïe aïe aïe. Mais qui l'a sorti finalement dans sa nuit là? L'organ leadership qui gagne vision. Pas dit volonté. Pas dit le pouvoir. Pardon? Pas dit le arriver sous pouvoir. Bon. Il faut dans nous faire mourir. Dikasa, quand vous pensez penser m'a prend pile temps m'arriver dans pouvoir. Bonne carrette nous. Y'a bail là il a. Hein? Ou pensez m'a prend pile temps m'arriver dans pouvoir? Ah, bah bon, qui bon moi ma question. Le soleil, moi la saline. Mais beaucoup romantisant, beaucoup gravine. Non, et là on fin mouton roi. Non. Il a aidé Dieu. Kounya là. Non, beaucoup pral matisan. Kounya c'est bel et bralé, c'est bel et bralé. Bon, bon menti docteur Boulos, si on consultation bon là matin. Hein. Bon nous apaisement village de Dieu, bon nous apaisement. Non, pas capable apaisement. Bon nous apaisement dans les avenues. Oui, majorité peuple qui a voté là et même route qui a fait même. Mon cher, 2022 pas loin. Non, ouais, c'est pas ça. Son café ça. Non, bon, faut pas déplacer responsabilité yo. Nous pas comme un citoyen fait ça. Non, moi du mon pas apaisement, c'est soleil. Non, pas apaisement. Pour du mon calme situation. C'est soleil, c'est la calme. Comment c'est tout fini. C'est soleil, c'est la calme, monsieur. Oui, on dégain. Calme la calme. On dit là, je me dégain l'homme comment c'est travail, c'est soleil. Pas la calme. Hein? Là, pas la calme. Vous dormir, c'est soleil. 26 ans, oui. 26 ans, mais dormir, non, mais c'est pas qu'on dormit. Ah, ouais. C'est pas qu'on dormit. L'autre, l'homme dépasse plus dans Cité Soleil. La caille virtuelle. Non, attendez, me dépasse plus dans Cité Soleil que sous cabane. Donc, il va la caille, moi. Ok. Docteur Boulos, pour qui sa précaution ça? Et, il y a le monde, il connaît comme de gros chefs gang, que c'est dans Cité Soleil ou l'autre côté, en pile fois. Et même, il présente tête yo comme monde qui a fait social. Moi, on prend le même discours ça pour Cité Soleil, là. Comme si de monde que. Clameur public identifié comme de chef gang, à aucun moment pas parler de bandits ou pas parler de gang ou parler de monde qui a fait social. Qui l'a fait social, qui l'a fait banditisme? Non, c'est, non, écoutez, c'est pas rôle moi ça. C'est pas rôle moi ça. C'est-à-dire que l'homme baille 350 bourses scolaires Cité Soleil, que moi se vois dans le bureau, on demande pour voyer Timoun l'école, pour payer un bagage de santé, pas qu'à rentrer dans le débat ça. C'est pas rôle nous ça. Quand ça crivait, nous voulons déplacer le débat. Rôle l'État et puis nous déresponsabiliser l'État. C'est l'État pour mettre sécurité. Ou on saute d'un bagage, ou dit des mondes que la clameur publique. Mais où qu'on ait un mandat d'arrêt contre vous? Bah, qu'on ait un mandat d'arrêt contre vous. Côté la police, côté l'État. Ce qui arrive, et où est-ce qu'on va regarder là? Ou pas qu'on est. Mais livré dans toute zone rurale. Lorsque l'État est absent, un leader qui prend la relève. C'est nous pour mettre leader ça dans un frame pour que les connaît porter les armes pas acceptable. Faire banditisme pas acceptable. Mais faut un ballon bagaille. Préval te dit négo monsieur moi-même m'a fait programme de désarmement, n'a vienne avec programme social, n'a vienne avec programme économique. Nous-même nous mandons déposer les armes. Sous pas déposer les armes on va mourir. Message ça faut le venir. Son message fort boulié. Mais pas calme message d'un citoyen. Le citoyen Réginald Boulos, c'est le bien qu'il veut faire. C'est ça qui intéresse. Donc, moi-même, pas quitter, personne vient mettre pression sur tête moi, soi-disant, au map travail X, map travail Y, pendant que c'est peuple Cité Soleil que m'a privé de aller à l'école. Alors, on pensait que. Je ne vais pas faire l'école la saline pour ne pas dire demain que je compte Joël ou bien je compte Junior. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui fais le massacre la saline. C'est du plan qui fait le massacre la saline avec Fidel, mon chéri, qui fait le massacre la saline. Mais nous ne pouvons pas parler assez de ça. Donc, vous sentez confortable dans la relation que vous développez à Mounsayo, les soupçons non. Et secteur privé, secteur économique, non. À financer, à bailler Mounsayo. Moi-même, je ne mettre ni secteur économique là, ni ne qui capture mon dans la prison. Mais ça m'a vu fait. Ok. Ben, m'a dit, joue, si ça t'a jamais fait, si ça t'a jamais fait, que Reginald Boulos, ta président d'Haïti, premier axe m'a fait, criminaliser la faute fiscale pour ne pas aller en prison. Je dis, on ne s'arrive à prison. En réalité, tu dois mettre devant la pénitentiaire nationale là, interdit à tous ceux qui ont un certificat d'études primaires et tous ceux qui ont de l'argent. Ou qu'on ait gagné là-dedans dans la prison?
De bon nèg gonti éducation ou bon ou gen l'argent pa rete dans prison. Prison c'est seulement pour ti voler yo. On l'aime tande sénateur Willow Joseph dit. Li fin di l'pa di l di bon, on prend di a. Que oui, yo bay 100,000 dollars, li même si yo pou ton kòb pou li, la prend. Bon même s'il va di 100,000 dollars, li di depuis pou ton kòb pou li, la prend li, li pa bay reçu. Ou konn ki li dèk vin nan tèt mwen? Faut commissaire gouvernement te descendre pénitentiaire là tout petit voleur. Parce que nous avons petit voleur dans prison gros voleur dehors. On te dit ça. Donc on pas à l'aise. On te dit ça même pas. Pas à l'aise Pierre. On demande pour c'est qui Pierre, ça? C'est ça. Pour qui ça? Pas à l'aise. Mais dans condition m'a vivre là, la priorité pour moi. Et pas oublier ça. On pas jamais gagner l'idée pour un homme d'affaires. On fait 14 ans comme médecin de santé publique. Papa me dégain doit construire une belle clinique pour moi Pétionville, mal fait cardiologie. Mal fait et médecine interne, mal fait obstétrique. J'ai choisi la santé publique et sociale. J'ai été travailler à 26 ans à Cité Soleil. J'ai laissé Cité Soleil à 40 ans. Je commençais à faire business à 40 ans parce que forcément mal fait business. Est-ce que qu'on commet un accord qui développe une synergie entre nous-mêmes avec l'autre qui est dans le pays d'Haïti sous initiative que vous prenez aujourd'hui dans le temps, nous te prenons back up moun, investir dans moun pour nous voyer à la présidence et aujourd'hui où voulez ou même aller. Est-ce que ça a ces résultats en frustration des moun nouveau y a vendre marchandise pour nous sentir pas bien vendre et qui fait que vous prenez initiative là aujourd'hui que vous prenez votre présidentiel là? C'est mouton noir du secteur privé, je dis. Il n'est pas content? Non, il n'est pas content. Problème qui est? Réginald Boulos. C'est moi qui ai un rêve là tout? Réginald Boulos. Non. Réginald Boulos, son équipe qui a un caractère. Son équipe qui est déterminé. Et son équipe qui est lui-même toujours correct, même sous contrôle. Qui a un passeport haïtien? Qui a un passeport haïtien? Mais qui contrôle l'autre nègre? Sous yon, m'bap même dit Réginald Boulos. Donc, pouvoir troisième voie. Tout n'est pas payé pour. Ah, yon pas content? Ah. Tout n'est pas payé droite. Et ou kon n'est yon? Et m'kon n'est yon. Ou kon sa pou yon bay? Ok. Le yon pas bien payé? Et m'bral doun avantage m'gen. 63 ans. Fin de business, m'réussi. Bon, m'bral cautionné mon réussi, mais m'réussi en business. M'de réussi comme docteur santé publique. C'est quoi mon rêve aujourd'hui? Après 6-7 juillet, m'écrit sous tête cabane moi. Je ne voudrais pas mourir sans voir le changement initié en Haïti. M'décide dédier tête moi à reste vie moi. M'ka vivre 2 ans, m'ka vivre 1 an, m'ka vivre à soi. M'ka vivre 10 ans tout. D'ailleurs, m'en vivre 15-20 ans. Non seulement pour peuple haïtien, mais mon petit, nous avons même un collège. Bien qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Est-ce qu'on n'a pas pensé scandale si on affaibli les Valodons qui cocobé tué un bon petit monde dans la coupe d'Haïti? Frère, il y a une grosse responsabilité là-dedans. Pas qu'à servir une entrave, barricade, même sous tout pour 2022. Bon, écoutez, premièrement, je ne suis pas candidat pour 2022. Pour apprendre plus bonnet? Je suis candidat à la candidature, parce que je suis en primaire, je suis en parti moderne, je suis en parti transparent, qui pral et vient avec des programmes sérieux de développement. Nous avons un manifeste qui exprimait vision humaniste du parti. Et l'homme dit vision humaniste, dit aussi un parti de gauche, parce qu'il faut qu'il y ait justice sociale, qu'il y ait création et redistribution des richesses. Et moi, où ça dit, lui, la responsabilité est personnelle. Je ne sais rien pour moi dans ça. Mais c'est ton frère. Oui, donc, mais. C'est Vavel qu'on a dit. Mais Bob, écoutez, moi-même, je dis, frère, faut le faire à quoi pour le dédommager, mon mieux. Ok, vous dites ça? Je me dis ça plusieurs fois, et d'ailleurs, je me dis. Il y a 2 mois, me dit. On aurait intérêt pour encourager le deal. Il y a 2 mois, me dit le m'dit publiquement là. Nous te mettre Kembe, oui. OK. C'est pour nous botter. Comme ça, on a besoin. C'est pour ma conviction, yo. Et alors la conviction positive. Oui. OK. Et moi dit frère. Faut le faire quoi, mon yo, faut le dédommager. Dédommager. Ouais, moi même Réginald Boulos, on va aller très loin. Est-ce que vous comptez pas mais s'il t'arrive un côté le poche li manqué ou balcoute main déjà dit dédommager mon yo déjà dit ça oh
et me connaît très proche. D'après ça me connaît 95% menu signé déjà avec. OK. 5% crété. Et ouais 5% ça, c'est politique qui a joué avec. On donne le by Pierre Espérance encore by mon yo. Hein? On donne le by Pierre Espérance. Non, non pas by Pierre Espérance. Qui ça histoire? Nous t'es assigné compagnie hollandaise là. Parce que nous sommes le malin dit non, Faval et Oudi Boulos. Parce que ils sont victimes toujours. Ils achètent ton produit en Hollande. Et pas en Chine, ils ton produit. C'est en Hollande. Ils achètent, lui. Son produit sorti en Allemagne, ils achètent en Hollande. Et puis qui falsifient, qu'on ne peut pas connaître qu'ils falsifient. Si ils sont victimes, peut-être victimes de propres négligences. Qui négligence? Parce que pour rentrer dans le domaine, ça, pour acheter des produits. Oui, mais écoutez, vous comptez s'arriver à l'époque. Dans appareil qui était à l'époque pour tester produit ça, produit falsifié à bon, même image là. Ah bon? Et c'est ça qui fait, ouais, ça arrive à Haïti, arrive après ça à Panama, arrive à Nigeria, et finalement arrive aux États-Unis, n'a pas de dentifrice aux États-Unis. Il fait que ça arrive dans l'aide tout là. Ok? Et là, arrive n'a pas de dentifrice aux États-Unis, c'est là ça américain dit, que gouvernement, parce que son bail qui sont en Chine en fait, mais que son compagnie allemande qui l'a c'est là ça compagnie Chine et allemande dit, et américain dit, ah, monsieur, je ne vais pas prendre ça dans mes noms. Vous comprenez ça qui fait? Mettre usine là, suicide de tête li, en Chine. Ah oui. Mais le faire plusieurs côtés. Et si nous-mêmes, en 96, Haïti te prend le leadership de la lutte contre la falsification des produits, parce que son problème mondial, falsification des produits. Ah oui. Mais je dis à là, il a parlé d'un produit dominicain qui tuait femme enceinte dans l'hôpital général. Nous t'avons parlé de ça. Oh, nous pouvons dire ça. Ah non, il faut aller chercher, faire enquête sur là. Nous avons dit trois femmes déjà qui mourent et son produit. Hein? C'est Chancerelle. Oui, Chancerelle. Non, mais il dit que lui est tout l'hôpital général. Ah bon? Son produit dominicain falsifié. Problème. Ouais, où est-ce que René Préval te dit? Mais c'est sous Fabrice Brilla. Où est-ce que René Préval te dit? Dans la bagarre là, tout le monde est responsable. L'État responsable. Parce que l'État te doit gagner un laboratoire qui a testé produit qui a entré dans Haïti. La douane responsable. Faval responsable. C'est ça René Préval te dit. Et m'dakwa avec. Maintenant, ceci étant dit, le plus tôt possible que Woody Boulos, Woodov Boulos, joignent un accord pour dédommager famille qui perd du petit yo, et surtout ça gagne petit monde qui était toujours mais qui cocobé. Moi-même moi compati à eux. Okay. Et encore une fois, bon, même si c'est pas moi-même, au nom de la famille Boulos, m'a présenté ses parties. Très bien, très bien. Et désolation. Vous pensez son bail nous t'a avec t'arriver non? Entre nous. C'est Dieu. Son bail qui cap poursuivre nous net aller. Ah oui, oui, oui. Donc, m'pas cap empêcher le vin nous débat. Même penser que si frère m'écoute conseil moi et puis il fait ça pour le faire au moins nous ca fermer dossier mais son bagage pour toujours précautionner pour pas jamais vivre encore comment Pierre Espérance fait tomber là bon Pierre Espérance alors vous demandez une question l'un nous assigne compagnie hollandaise là nous pas jamais ca joindre rien en mail gouvernement hollandais condamné compagnie hollandaise là pour payer un cob. Et leur compagnie hollandaise la paye Cobla, ils ont cherché qui monde qui a distribué Cobla. Ce n'est pas un Cob de dommagement. Ils ont dit un Cob d'appui, si je l'ai dit. Ils ont offert UNICEF d'abord pour distribuer Cobla. UNICEF te dit, pas rentrer dans ça. Là, ça vient offrir Pierre Espérance. Donc, Cobla passé par Pierre Espérance, sorti de gouvernement hollandais. Là, il joint Pierre Espérance RDDH qui distribue Cobla by Famio pendant un an. Alors, il prend Cobla. Peut-être qu'il était une bonne idée de ne pas bailler tout Cobla en grain de goût. Il était distribué sur 12 ou 24 mois. Combien Cob? Moi, je n'aime pas, je me finis comme Cob. Et c'est pas un certifié ou il se voit comme ça? Ah, ce n'est pas le rôle, moi, ça. C'est pas le rôle, moi. Cobla, oui. Mais d'après ça, je comprends, c'est entre 500 et 600 000 euros. Tout en monde là. Mais Bob, attendez, ça me dit là très important parce que souka, si nous avons un rôle dans ça, il y a quelques mounes qui. Ou pas mon idée de quantité de quelques mounes. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Dans dédommagement ou d'obou là. Ah, ok. Je suspecte que 2-3 mounes qui peuvent les signer, c'est politique qui a pas courage de pas signer. Pour ne pas jamais faire mes dossiers. Tu as une famille qui t'a un petit?
famille très petite. Mais pas que vous voulez signer. Donc, quelque part, me dit, est-ce que ce n'est pas un politique qui a pris un courage, qui a pris un corps même, pour pas signer, pour traîner un dossier? Nous t'a remis tout à l'heure, vous parlez d'un petit cas de troisième voie qui paraît un petit genre flou hein, pour le monde jusqu'à présent. Je m'a posé une question directe sur Rénal Libéris, qui est secrétaire général et conseil ministériel, d'ailleurs qui est un livre qui a pris signature le 20, ce dont Réginald Boulos est le nom. Il dit dans page 40, la nouvelle Haïti ne saurait émerger avec des gens comme lui. Donc la palais de roue, et je dis à Ovin Van nous en troisième voie. Et troisième voie, alors que en troisième voie par rapport à en deuxième ou premier voie, ou même où tu es un acteur. Donc, comment est présenté en troisième voie sans ton titan pour garder niveau de responsabilité ou dans échec système qu'on vient de proposer nous pour changer à, ou pas, okay. J'en parler de ça. Pas oublier, non, donc, pour suivre l'intervention, ça, on dit que il était en dos 10 sous Radio Zénith. Que yo te bay Pierre Espérance compagnie hein, te bay Pierre Espérance 6 millions. Non, m'a dit ça. Non, non. 65 000 dollars US. 65 000 dollars. Non. 650 000 dégradés. 650 000. C'est peut-être ça me saute 500 000 euros. Oui, ça. Oui. 650 000. Oui, US. Ou te dit. US. Même saute tout à l'heure, 500 000 euros. Mm-hmm. 500 000 euros qui a fait 650 000 dollars US. Ok. Mais parce qu'en euros, il te bay. Tu dis ça vraiment. Oui, exactement. Okay. Oui, me dit ça. Bonjour et Père. C'est quoi ce dont Libéris est le nom aujourd'hui? L'Haïti que nous vivons, parce que l'on pouvoir depuis 7 ans. C'est le conseiller principal de Martelly et de Jovenel depuis 7 ans. Ce dont Réginald Boulos est le nom, c'est ça l'a fait Cité Soleil pendant 39 ans. C'est ça l'a fait La Saline Jodia. C'est ça l'a fait Belay Jodia. C'est ça l'a fait à travers PIA. Mes œuvres parlent pour moi. Libéris, c'est qu'on livre depuis des mois, il n'y a pas qu'à venir. Il n'y a pas qu'à venir. Il cherche un nom parce qu'on est non original Boulos l'a prisonné pour qu'à venir. Ok? Mais Libéris, c'est le responsable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, j'aurais dit, ce dont Libéris, c'est le nom, c'est dans Fatranap vivre aujourd'hui. C'est dans Misenap vivre aujourd'hui. Pendant 7 ans. C'est dans Grand Goût pendant 7 ans. C'est dans Grand Goût n'a vivre aujourd'hui. Donc, il n'a aucune qualité pendant que les bandits sont au Parlement. Donc, il a pas dit son responsabilité dans ça, dans le livre, là, je veux dire. Beaucoup répondent deuxième partie question. Je devrais répondre pour les parties. Mais normalement, il y a une responsabilité, tout. Nous sommes tous des responsables de la situation. Nous devons avouer ceci. Tant qu'on n'a pas pris conscience que nous faisons partie d'un système. Je l'ai dit dans le Nouvelis. Je veux détruire, je fais partie du système que je veux détruire. Bah, j'aime peut-être profiter de lui. J'en l'autre n'est que profiter. Même bénéficier de lui. C'est là que je fais business. Moi. Donc, Dadjou, Castro était parti pour nous du système. Beaucoup de bourgeois qui ont fait la révolution en Russie, ils étaient partis pour nous du système. Donc, ça, monsieur, dit là, pas grand sens. Et ça? C'est de l'intérieur qu'on doit détruire. Alors, qui ça? Libération, mon là, balaptan, vin changer pays à Bouli. Ok? Quelque part, nous avons tous. Et même le peuple a une petite part de responsabilité. Parce que moi, je me dis, comment ça me dit l'autre jour? Pour ça, le peuple, ça a passé pour gaz. Nous ne pouvons pas continuer à être résignés. Faut révolter. Pas dire le boulet crasé, mais faut révolter. Faut dire non, nous ne pas prendre quoi. On a l'autre côté de la barricade, docteur. C'est Boulos. Ça, je me dis moi-même. Où saute là? Bah, t'es tout, on satisfait chier. Déjà, on entend nous à l'État. J'en paye taxes correctement. Mais là, là, fond, question. Où sont grands bénéficiaires des années de franchise douanière? Absolument pas. Moi, j'ai besoin de continuer. Bah, j'en bénéficie d'une franchise. Oh, et bien, on te met non dans l'espoir. Jamais. Jamais, bah, t'as payé 18 millions de dollars. Quoi question de valeur dollar? Jamais. En 2004-2005, le distributeur franchise, nous avons dit son immoralité. Ou pas de bon? Bah, j'aime bon franchise. Non seulement je ne bon franchise, nous avons dit son immoralité. Parce qu'on a remboursé les gens qui perdent du COP dans 2004-2005, mais maman qui perd du petit qui est au KLA, qui sont fait pour lui. Je n'ai jamais accepté une franchise.
Et pour nous faire accepter une concurrence comme ça avec l'autre nègre qui vend une machine même j'en avoir, et puis on sait grand bénéficiaire de franchise douanière, ou même on paye douane, nègre ça ou même vin avec machine, et puis on a fait concurrence avec son machine. Pour nous faire camper. Parce que je suis un gros travailleur et je suis fait marketing. Ou après, je ne prends ni son ou senti marketing ni son changer. Papa m'a appris la loi des 10%. Plutôt vendre en quantité, on fait 10% profit. C'est ça, papa m'a appris. Je vais vous donner un petit exemple. En 2000, je m'achète auto économique qui était gagné là-dessous. Là, ça a été une petite machine, les Terios. Oui. Je t'ai vendu 18 Terios par année, je t'ai fait 4000 dollars par sous chaque Terios. Je t'ai dit que chaque police en Ukraine. Non, je parle aux 2000, oui. Je parle aux 2000, oui. Les autres, tu as mangé? S'il te respecte pour lui. Je ne vais pas demander à l'ITEUS, ni pas demander à l'ITEUS. Non, je ne vais pas demander, lui-même dans la campagne. L'ITEUS dit que c'est une petite machine pour promouvoir, mais ce n'est pas seulement l'ITEUS. Ok, docteur. Vas-y. Bon, je dis. L'homme prend auto-économique, je n'y ai pas fait. Je n'y ai pas fait 4000 dollars sur chaque ITEUS. Je me dis que je vais populariser l'ITEUS. Je me dis que je vais vendre à 18000 dollars à l'époque. Je descends à 12 900 dollars. Je fais 1 000 dollars sur lui. Mais au lieu de 18 euros, je vends 250 euros. Je fais plus quoi? Je fais plus quoi? Mais le peuple a joué au meilleur produit. Moi, je crois dans le volume et les prix plus bas. Ok, bon, mais c'est posé. Donc, il y a d'autres questions-là avant de finir. Pour qui ça. Citoyen, puis de me finir, non. Pour qui ça, choix ça, selon vous, Reginald Bolos, il y a un abandon, qu'est-ce que, total de production nationale là? Au profit d'importation, d'accord, dit plus rentable et moins risqué. Est-ce que encore là, secteur privé n'a pas contribué à augmenter la misère population pour qu'il sache choix importation, nous pas investir dans production. Pas d'accord avoir que secteur privé a fait un choix. Promotion production nationale sont politiques liées. Et ou bien dit, ou dit un choix moins risqué. Ça veut dire choix agriculture plus risqué. Or, on te donne un pays côté que choix agriculture, tu es moins risqué. Pas plus risqué. Quand tu vidéo m'a regardé hier, qui a expliqué ça qui passait de 85 à aujourd'hui. Côté en 85, conseil de produits local, côté PS jusqu'à 50% de droits de douane sur lui. L'État vinyle baissait là 5%, 3%, 2%. Ajustement structurel. C'est ça qui crase la production nationale là. C'est pas un choix secteur privé à faire. La production nationale en République dominicaine est protégée. Moi, l'expliquer. En République dominicaine, il y a 6 produits relais, produits spéciaux. Maïs, ou comme ça. Ou pas qu'on doit importer maïs. Mais il faut bailler mon entour, encouragement. Il n'y a pas de financement agricole. Il n'y a pas de financement agricole pendant que Jovenel saute pour 1 milliard de gouttes, là, dans un syndicat, pour aller acheter un bus Toyota. Plutôt que les paysans, yoli. Paysans n'ont pas de semences. Ils n'ont pas d'encadrement. Oui, confirmé. 1 milliard de gouttes. 1 milliard de gouttes. Plus qu'un milliard de gouttes. Pour bailler syndicat. Pour acheter bus. Bus Toyota. Bus Toyota. Qui redevance actuellement là. Actuellement là. Qui ça l'État bien comme profit dans absolument rien. Ça. Absolument rien. Dieu dit son financement. C'est pas dans mon l'acheter. C'est pas dans mon machine l'acheter. Non, à Bamjou Toyota. Ok. Bamjou. Et si c'est dans mon boss, on t'a brevé l'information comme ça. Je t'ai toujours dit. Même avant de me poser une question sur le contrat, je n'ai toute information. Je n'ai pas expliqué. Moi, je suis convaincu que tu as bon mal. Il ne faut pas te dire. Je suis convaincu que tu as bon mal. Et non pas arrêter sur ça, malheureusement. Ou dit que je vais pas arrêter. L'organisation. L'organisation de la caravane. N'a pas été mise en place. 53 millions de dollars. L'organisation de la caravane n'a pas été mise en place. Ça veut dire que commander équipement n'est pas la solution seulement. L'équipement arrive. C'est vrai, le pays a besoin d'équipement. Mais il faut organiser. Il faut mettre une structure en place. Tout est dans la structure. Chaque fois, il faut réussir chaque fois. Vous connaissez tout le business moyen sans faillite m'acheter. Non, mais comment vous faites service dans la machine caravane? La caravane est chavirée. Bon, disons que. Président, depuis un an et demi. Service, depuis un an et demi, président, écoutez, par contre, ça, président, a fait. Est-ce que le président là? Est-ce que là? Par contre, il est là.
Vous attendez parler de lui. Et voisin, vous connaissez. C'est quand vous connaissez comparé le président aujourd'hui. C'est quand vous Patrick Moussignac. C'est quand vous Patrick Moussignac. Pas ta génératrice ici. Il n'y a pas de quoi pour le payer, non. Il n'y a pas de essence pour le faire génératrice à marcher. Ici, a fait mes net et puis chaque jour, Patrick vient dans le bureau. C'est ça, moi, président. Le président est dans le bureau chaque jour, je ne sais pas comment ça le faire. Qui sa troisième voie à proposer, son parti politique ou bien mouvement? C'est un mouvement qui va devenir un parti politique, qui gagne 12 voix là-dedans. Et la première voie, c'est la promotion de la production nationale. En troisième voie, il gagne 12 voix? Il gagne 12 voix. Alors 12 voix, 12 routes. OK? Et première, c'est production nationale dans 4 domaines. D'abord, l'agriculture. Et moi-même, je propose une agriculture régionalisée. Ça veut dire que nous pas qu'à vler tout côté fait tout bagay. Fon bay des régions, des vocations. Par exemple, on dit au DVA, on va le remonter au DVA, et je dis, on a importé 70% du riz, nous voulons dans 5 ans, nous pas importer du riz encore. Ou prend grandance, ou bal tubercule, pommes de terre, patates, manioc, tout bagay ça yo. Ou prend plateau central, ou bal élevage. Et quand on va le natra, oui. Ok? Nèg di riz yo. Mais c'est faux, mais c'est faux, Bob. Bon, m'explique, c'est faux. Écoutez, moi, les gens. Mais moi, ça, c'est faux. Écoutez, n'est-ce que du riz, c'est importer, l'importer du riz. Mais en fait, qui ça le fait avec? L'importer, l'acheter, et puis, l'IGA distribution, le vendre. Bon, ici, l'acheter au DBA, qui problème qui gagne? Pas aucune différence. En grande quantité. De vos produits en grande quantité, là, pour une même quantité pour distribuer. De toute façon, il faut un système de distribution. Il existait déjà. On remplace l'importation par production. C'est tout. Production nationale, textile. Mais moi-même, là, je me dis textile, je voulais nous sortir dans un t-shirt. Pour nous aller dans un costume. Pour nous aller dans une chemise. Pour nous aller dans un pyjama. Pour nous aller dans un uniforme. Là, on va aux États-Unis, on va dans un mall. Et pour regarder des costumes où est fabriqué en République Dominicaine. Ou regarder un t-shirt où est fabriqué en Haïti. Pour ça, c'est miette là, non. C'est pour nous forcer. Mounio fait aller dans d'autres produits. Et même là encore, Gomba et BRH sont fait depuis 2 ans, que ma opinion négative sous lui. Ils ont financé 2 gros groupes qui sont dans le textile là, puis ils ont fait 2 zones franches. C'est une très bonne chose, parce que manquer local dans le pays. Mais pour ça, c'est pas tout bien sûr fait. Sorti dans l'eau, on a docteur traversé dans l'appareil caravane, 53 millions, plongé dans Nissan Kicks. Yo dit Nissan Kicks la 22 000 ou la gil la 20 000 la conseil la police. C'est menti. Menti. Qui ça vrai? Li van 15 500, il y a 4 ans de service là-dedans. Donc, à calculer. 12 000? Non? Oui, mais 12 000 sans service. Nous avons 4 ans de service. Ou prend 3 pour service là. Pour 4 ans? Pour 4 ans? Chaque service coûte combien à peu près? Ah, faut calculer. Mais nous machine dans service là seulement. Dans l'huile, filtre, mais ça me dit oui. C'est la cobla? Tout. Non, mais c'est là, c'est quoi? Un service coûtait à peu près 200-250 $. OK, 4 ans service. Fait calcul là. Et 2 mois on fait service. Et si on est peut-être venu pour un compagnie qui a service ça bon marché, on quitte le campé. Oh. Mais de pour pas d'attaquer mon cap faire bail en face ou? Jamais. Ou pas j'aime donner ça. Je crois dans la compétition. Je crois dans la compétition. Bon, on retourne sur MTV. L'autre n'est mal vu en pile. On retourne sur MTV parce qu'on change de débat. Oui, mais ça est important tout d'abord. Non, ça va important. Fait avec Bob, ça va important. Ouais, très important. Oui. Si moun ça, tu penses au vendre Nissan Kicks non, à 20 000, dis-le qu'on vote pour le bas ou faire la police payer 8 000, ou combien votre police t'a perdu, ou dis ça va important. Bon, ok, d'accord. Et bonjour. D'abord, moi, dans l'agriculture, faut me dire ça. Il y a 2 carottes plantées en raisin, en santo. Toute production nous vend. Et si l'État te fait barrage dans plein an, nous avons produit sous 20 carreaux. C'est de l'eau nous allons joindre. Donc, chaque raisin, ça va alimenter Delimat? Delimat. La Delimat vend aujourd'hui 30% de vente Delimat, c'est production nationale. Je dis à nos gros projets, nous avons bid pour nous arriver à 45%. Production nationale. Mais de toute façon, on a besoin de Delimat là. Faut qu'on compte pour nous l'acheter. Ah, docteur Boulos, c'est comme tout bon. Son péché? Non, je ne vais pas dire comme ça. Mais... pas dire comme ça. Parce qu'on a écrivé, faut tout haïtien qui est riche. Côté n'a pas passé? N'a pas passé dans justice sociale.
Non, création de richesse, redistribution de richesse. Mais tout ça, il s'est pas riche. Fais-nous toi riche, ton docteur. Non, non. Non, 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 non. Bob, c'est... Bob, c'est... Bob, dit nous deux. Bob, dit nous deux. Bob, dit nous deux. Bob, c'est Bob, dit nous deux. Parce que... Bob, dit nous deux. Parce que je dis mon riche en pile. Ah, docteur. Ah, c'est ça, ça veut dire. OK. C'est ça, veut dire. Je dis mon riche en pile. Regardez, MTV c'est 12 voies, 12 routes. Tac, t'as pendant nous sommes sur fortune là, oui. Et bah, on est aux États-Unis, en France, ils connaissent quantité l'argent, monde qui est dans le secteur privé, ou bien n'importe qui. C'est pas possédé. Vrai. Non, mais c'est pas vrai. Pour que ça vous fait classement, c'est pas vrai. Des entreprises publiques, ça veut dire. Lorsqu'on bourse, lorsqu'on stock market, entreprise qui a le stock market, yo, obligé de publier état financier. Mais lorsqu'on entreprise privée, okay, pas obligé, c'est pas obligation. C'est pas obligation. Aux États-Unis, il y a pile d'entreprises privées par contre comme un compte niveau. Donc, en fait, ça dit la guerre est très important. Il faut créer la bourse. Vous comprenez ça, il faut créer la bourse. Parce que guerrier ne doit pas vouloir monter en entreprise, mais il veut mettre 10 000 dollars dans l'entreprise qui a marché. Il veut mettre 10 000 dollars dans des limates. Et le premier exemple que je fais de ça en Haïti, c'est El Rancho. El Rancho, il y a 174 actionnaires. Ok. Dans l'actionnaire, je parle de j'ai un caissier sur G-Bank. J'ai un employé sur G-Bank. Et vous comprenez comment ça fait? Je vais vous comment ça fait. Là, nous allons acheter El Rancho. Je vais offrir sur G-Bank un bagage qui pourrait jamais faire en Haïti. Pour l'offrir tout employé, acheter action de El Rancho, mais financer sur 3 ans. Et je dis, fin de payer, nous avons invité un jour dans l'Assemblée Générale nous fait. Pour que j'en suis fier de ce que vous participez, c'est quand vous connaissez un petit morceau dans l'hôtel là. Et c'est ça pour gérer, pour sauver le pays. Okay. Il faut que la classe moyenne haïtienne, d'abord, il faut sortir le peuple là pour donner la classe moyenne. Ou pas qu'un pays que 80% c'est peuple. Aucun pays ne se développe sous pas 60% de classe moyenne. Classe moyenne, ça, à qui ça l'aspire? À bien-être. L'école, la santé, au travail, qui bien payé, machine, la maison. Son égard ça, on vit bien. Donc vous d'accord que richesse paysan pas bien? Oh absolument pas, c'est au moment de déblier dit. T'as vu aussi j'ai le map dit que me dit que me réussis en santé, me réussis en business. On fait partie de 3%, on dit qui? Oui, me fait partie de 5%. Pas de problème, 5%. Me fait partie, pas voulait faire partie de lui. Et pas que me voulait faire partie, me voulait 5% grandi. Me voulait 5% arriver 40%. Et nous qu'a fait? Vous voulez Washington de l'eau, vin Washington soleil, font goûter? Non pas on goûter. Vin à côté nous, jeune chita là. Vin sur ta... vle ou même, ou vle pour wash nan de l'eau al kon dou, le wash soleil. Non, absolument pas. Ou pas remen comme ça? Mle wash nan soleil là. Rete nan de l'eau. Soti nan soleil. Ou vin goûter de l'eau? Tout le monde nan de l'eau. Ok. Tout le monde nan de l'eau. L'on fait le choix de business qui chita sous importation. Il pose des questions. Oui, questions? Pas nos déplacés, il pose des questions. Docteur Boulos, t'as fini. T'as fini. Bon, notre explication sur ça. Pour qui ça au Canada? C'est chaque, vous calculez les services machines en fonction de, pour vous faire service, c'est chaque 8000 km. Et puis, c'est chaque 2 mois, la machine est obligée à le faire service. Non, il y a deux aspects. Premièrement, il n'est pas sous moi, il est sous kilomètres aussi ici. Et il est sous 5000 km. Il n'est pas sous 8000 pour une raison très simple. Pour que ça soit différent. Quand tu es poussière à la bourgogne dans le pays. Ah, ok. Ok, l'orgon est cleaner, qui a ramassé qualité poussière ça dans la rue, sous 8000 km là, qui a vint bloqué et pour qui a vint plus de problème. Okay. C'est peut-être ça tout simplement. Donc, c'est... le pays qui est propre, ou qui doit aller même jusqu'à 10 000 km. Ok, d'accord. Je me demande ça, parce que son auditeur très avisé qui voulait. Bon, moi, il dit est-ce que Reginald Boulos fait au fait m'acheter un propriétaire dans Mel pour 5 millions de dollars, une propriété dans Mel pour 5 millions de dollars dans la commune Tabar? Comment me fait acheter? Vraiment, c'est pas Reginald Boulos qui vendait. Et pas moi qui te vendais. C'est avant de venir dans Universal Motors. C'est Universal Motors qui te vendait. Avant de venir dans Universal Motors. Mais mon connais histoire. Son au fait, m'a tapé chercher un côté pour le ramasser toutes entreprises. Parce que c'est louer la pour le caille tout côté. Au fait, Marie, d'après ça, m'entendait. Il y a même 5-6 cailles en location. Et je connais que il fait évaluation. Et même pas qu'on donne, pas qu'on détail exact. Ok. On fait des notions qui sont gazlan, gagné parole qui a parlé comme quoi l'État t'a sauté pour monter prix gazlan, mais précisément diesel là, comment on a décision comme ça? Abominable, inacceptable. Et moi, Alexis Kobri, ça me dit l'inacceptable.
L'État a un déficit environ 200 millions de dollars par année entre prix l'acheter gaz et prix le vendre ni par le peuple. Et puis aujourd'hui, on veut dire peuple là, c'est au problème de 200 millions de dollars ça. Pendant que nous connaissons, chaque premier ministre qui descend coûte l'État 10 millions de dollars. Chaque premier ministre qui monte coûte l'État 10 millions de dollars. Je calcule que de l'heure où Jovenel monte à Jodia, nous avons déjà dépensé 50 millions de dollars dans monter et descendre pour les ministres. Pendant que chaque député joigne 500 sacs du riz dans BMPAD, du riz pour te vendre, qui t'a droit de subventionner le gaz là. Mais il faut député cadeau. Pendant que l'État, chaque mois, baille 100 millions de gouttes, fiche gaz pour l'administration publique. Au point où, dernièrement, dans PSP Acquisition, il a fait caillou, une dame qui travaille dans le Sénat, qui est la 31e sénatrice. Madame Cassis. Non, pas cité, non. 350 000 gouttes jouent la Cali de fiches expirées gaz. Vous comprenez ce que ça veut dire? Gaz fiche l'État, expiré. Fiche l'État payé, et puis gaz la fiche l'a expiré. Okay. Pendant qu'on prend 27 millions de dollars, on met dans Demalog, alors que Matelite met 52 millions de dollars dans le même système là. En 2012, pour 53 millions, mais t'es acheté appareil pour caravane. Bon, si vous voulez ajouter ça, pas un problème. Excepté que nous avons équipement. Non, la différence. La différence. Parce que pas oublier, on ne prend pas 53 millions de dollars. Mm-hmm. C'est crédit ou acheté. Ok. Ok. Oublie, pas oublier ça. Donc, quelque part. Nous, tout le monde, nous avons papier. Non. C'est gaspillage d'État, Nabgadi. Oui, gaspillage. Gaspillage d'État, aujourd'hui, en dans l'État, où on doit avoir 200 millions de dollars. Non, mais l'autre seulement. Ou pas comment des peuples à le payer. Pendant qu'on continue à faire gaspillage là. Ok? Pendant ces cabrites qui ont parlé dans le Parlement. Cabrites Texas? Ok? Je ne sais pas comment ça cabrites. Donc, le président Jovenel a dit même bagaille ça qu'on dit là. Et je dis là, il estime qu'il trouvait une situation pour le monter. Parce qu'il n'y a pas de que même bagaille ça arrive sur tout. Non, non, moi, Alexis, pour deux raisons. Ou pas une cabrite Texas dans ma tête? Parce que, jour d'arriver que je suis obligé de monter le gaz là, le peuple a pour que je déjà fait bagaille. Déjà retiré corruption dans l'État. N'est-ce pas en prison pour corruption? Négal dans prison pour contrebande. Le Sahara, c'est le peuple qui doit dire. Il est d'accord pour monter gaz. Comment vous êtes sur son intérêt? Pourquoi vous êtes passé sur ça? Délimat, pourquoi arriver? Cabrit Texas, pourquoi vous arrivez dans Délimat? Comment vous achetez? Les cabrit pays n'achetez seulement. En parlant de Délimat, il y a un auditeur qui m'a dit pour qui ça? Qui l'heure? Ou peut-on Délimat Cité Soleil? Pas de marché. Le nous baille. On Délimat la salle. Le nous baille population, pouvoir d'achat d'abord. Oui. Ou pas mettre Délimat de côté par un pouvoir d'achat. C'est pas question ça pour le peuple à demander. C'est qui le n'a pas cité soleil pouvoir d'achat pour le cabinet de Délimat à Cali. Pour le cop d'un même. Tant de docteurs, m'a fini pour me que. Et puis, quand on a nous pas parlé. Non, tant de dans même bail Gaza toujours. Côté $50 là. $50 transfert, appel. Côté 5 centimes appel là. Et comme ça, pour payer déficit Gaza. C'est pas le peuple pour payer déficit Gaza. Donc, moi-même, m'a dit jeudi à là. Mais ça contre l'augmentation du prix gaz là, et mais des populations campées droite. D'abord, il y a une manifestation demain. Manifestation toute opposition unie. Demain, demain pendant la journée. Où est la blague? Hein? Où est la blague? Ah, bagay pour m'djou. M'kala, m'kavala. M'kala, nous pas ou. M'kala, nous pas ou, c'est ça. Faut nous pas accepter l'inacceptable. D'accord. Donc, non, on a plus de scandale dans ce pays. Tout bagay, c'est. Tout vous, c'est d'eau. Nous pas accepter ça. Docteur Boulos, un jour viendra. Et ce jour n'est pas trop loin. Quand les plus pauvres n'auront plus rien d'autre à manger, ils mangeront les riches. Dans le journal Tout Pays en matin, nous prenons au mot. On dit tout le monde qui est riche et ses rêves. Qui gens tout le monde qui est riche dans la société en pleine inégalité sociale. Ou saut dit là, ou c'est un monde qui a 5% richesse pays. Est-ce que le possible pour système bancaire haïtien à prêter moun cap importer gros magou l'argent pendant ti jeune cap produit besoin prêter yo refuse yo. Non mais c'est pas banque commerciale. Et c'est la troisième voie à tourner encore. Il faut dans notre pays une banque de développement qui favorise les jeunes. Il faut dans notre pays une banque agricole. Donc effectivement, ce système là pas bon. Ce système là troisième voie à l'échanger. Ce système là troisième voie à l'écraser. Et dans troisième voie dans projet troisième voie,
banque yo, banque de développement yo joue un rôle important. FDI, FDI. Dans quel système nous est là? Pesé soucé. Système ou bien régime? Bon, pour nous changer. Système pour nous changer. Système pour nous changer. Parce que moi, un système, c'est le fruit des lois. Pesé soucé avec l'oligarchie? C'est le fruit des lois. Non, c'est nous tous qui pesé soucé. Son système lié. Nous tous dans pesé soucé à différents rythmes. C'est quand on m'a parlé, l'homme dit éducation. L'éducation est à 5 vitesses dans ce pays. Parce que éducation petite, moi, recevoir. Et peut-être pas éducation petite ou recevoir. Vous comprenez arriver, éducation petite ou recevoir. C'est pas éducation bonne, petite bonne là qu'à recevoir. Éducation petite bonne ou recevoir. Pas éducation petite ghetto à recevoir. Et éducation petite ghetto à recevoir. Et pas éducation zone rurale là recevoir. Donc l'injustice et l'inégalité est à tous les niveaux. C'est ça le système. C'est un système inégalitaire qui pas qu'à continuer. Il pas qu'à quimber tête li. Il y dans bout. Et fort qu'il change. Système dans bout. Système en bout. Donc, il va capable de changer. Donc, il faut qu'il change. C'est un pays et une société en pleine décomposition. En pleine décomposition. C'est lui qui nous dit qu'il faut le changer. Mon pas des choses, c'est la déchaussée. Hein? Il y a moi Haïti là. Moi, c'est des choses, c'est la déchaussée. Ça, ça l'est dit. Bah, vous dites qu'il a décomposé, mais moi, son pays a déchaussé. Bon, écoutez. Et c'est des mots. Ou qu'on s'en veut dire, ou qu'on s'en veut dire, ou qu'on s'en veut dire. Ok. Avec des petites phases de décomposition. Moi-même, son soeur qui est dans la tête. C'est porter la troisième voie au pouvoir. Et être, si c'est moins privé, être le Castro d'Haïti. Ou pas voir comment risquer pour aller mettre tout son possédé aujourd'hui en jeu pour aller sauver le pays dans l'Italie là. Mais Bob, je suis content de dire. Parce que dans ça, m'a fait là, je n'ai rien à gagner, j'ai tout à perdre. Je n'ai rien à gagner, j'ai tout à perdre. Il m'a intégré. On a bien perdu lorsqu'on n'a pas tout perdu. Comment dire ça? Est-ce que motivation là, Reginald Bolos, est venu à partir de 6-7? Parce que non, motivation va venir à partir de 6-7 guerriers. Parce que présentons comme homme politique. Nous sommes homme social pendant 14 ans. C'est eux qui tirent dans le social. Là. Donc, je ne vais pas dire. Ça fait que les gens qui disent est-ce que c'est pas protéger le business qui fait non, le c'est le contraire. Ou d'accord avec moi, on est dans la politique, ou mettre bien en danger. Donc, je ne vais pas c'est protéger, je vais protéger. Okay? Donc, je crois que l'argumentation, ça n'a pas servi. Je suis toujours social. Je suis choisi à faire santé publique parce que je suis social. Maintenant, je fais une carrière sociale, je fais une carrière économique, je décide de faire une carrière politique. Et rappelez ça, je là. Toute entreprise m'a acheté en faillite. D'accord. Donc, son original boulot pays, satisfait de parcours et non, est-ce absolument vous... pas. Absolument pas. Au contraire. Je me dis, je réussis. Mais comment tu peux dire que tu as réussi lorsque 5% de la population gagne 80% de richesse. Est-ce qu'on a un regret ou qu'on va reprocher tête ou regarder que je ne pas dénoncer la politique et puis bonheur. Mm-hmm. On a un gros regret de ça. Dans tout constat. L'homme t'a fait commission présidentielle Matelia qui t'a sauvé pour voir Matelia. Matelia prend 3 bagages sur 12 que je dis le fait. L'homme pas prend 4e, 5e, 6e là. Je dois dénoncer. Des Duvalier à Jovenel, vous constatez, vous avez 30 ans sous Jean-Claude Duvalier, c'est vrai? Oui. Dans tout régime nous connaît là, qui régime qui plus déception pour la population haïtienne? Il n'y a pas un qui est plus que l'autre, parce que la troisième voie, c'est exactement ça. La première voie, c'est la voie du duvalieriste sanguinaire. La deuxième voie, c'est la voie de la violence lavalasse. La troisième voie, c'est la voie de l'ordre, de l'état de droit, de l'éducation, de la santé, de l'équité de genre, de la production nationale, de la culture, de la diaspora. Il y a 4 gros piliers dans la troisième voie. La femme, la jeunesse, la diaspora, la paysannerie. Et la paysannerie est number one. L'histoire retiendra, Dr. Boulos, dans l'émission matin, où fait lumière pour nous, sous 53 millions de dollars, ou si yon avec pouvoir en place là, pour achat matériel pour caravane. Et ou bay, qui j'en pour yon paye yon. Ou dit c'est yon doué ou livré tout matériel déjà. Exact. Histoire Kembe que matériel ou vend avec pouvoir, c'est pas matériel deuxième main ni troisième main, c'est pas matériel ribil. Histoire Kembe, Dr. Boulos prêté nan ona 700 millions de gourdes et il vigne avec des preuves côté li rembourser l'argent à l'eux. L'histoire ap Kembe, Dr. Boulos dit si sénateur ak député yo remettre l'argent au NAC nan men yo ou prêt ou même pour pas retenir ou tout payer pour là. Exact. Histoire Kembe, Dr. Boulos encourage frèl pour te dommager victime à fébrile et valo dans yo.
histoire à Kembe que compagnie hollandaise a un premier tranche cob, c'est Pierre Espérance qui a été ou baille Mounio. Oui. Histoire à Kembe que Dr Boulos pas connaît si Mounio joigne, à si ou pas joigne, ça n'a pas rentré la donne. Exact. Histoire à Kembe que vous prêt pour aider frère dédommager Mounio pour fermer dossier ça définitivement. Exact. Mais si en peu l'histoire retiendra, non, faut pas arrêter là seulement. L'histoire retiendra que Reginald Boulos a initié un mouvement qui s'appelle la troisième voie. Bon, ça, c'est et après. Qui a comme objectif, non, mais c'est l'histoire, parce que faut entendre le jodia. Guerrier dit, li gonti bagay li passage que l'enregistré pour dans deux ans, dans oui, trois oui. ans. Ok? Émission ça, son émission historique. Son émission historique qui pourra le permettre 2022, pays à l'autre côté. Merci beaucoup. Moi, on l'a déjà pour nous, Dr. Boulos. Merci beaucoup. Bon, finir avec tout ça. Merci beaucoup. Venant de toi, ça me fait beaucoup plaisir. La vérité, c'est le verbe qui libère. Bon, finir la question, ça, puisque mon qui m'a déposé là, t'as insisté. Éric Jean-Baptiste, qui dit, ou t'es conseiller président Jovenel pour le voyer Matéli en exil, est-ce que l'arrivée sous pouvoir, au bral, voyer tout concurrent en exil? Non, absolument pas, parce que je ne suis pas prêt à mon. Jovenel est à Matéli. Je ne suis pas à mon moi-même. Bah j'aimerais ta monde. Il y a vision, il y a conseiller, il y a équipe, nous va changer pays. Ya. Merci beaucoup. Bon poser question, mais c'est pas qui m'a posé une question ça. Il dit vous présentez tête comme un monde qui réussit dans médecine, c'est ça? Oui. Pour qui ça l'homme malade gounian là ou bien l'autre monde qui dans même secteur avoir malade, l'objet c'est de même pour aller ou bien non, on pas répondre question ça parce que Eric s'il veut faire débat. C'est pas Eric, m'a parlé de médecin. S'il veut faire débat même, vient sur ta table là au médecin. Qui croit que nous, dans le niveau secteur privé, on va mettre ensemble l'hôpital moderne, non, le okay, c'est problème, pas vrai. C'est pas Saint-Domingue, c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'autre monde qui va dans la classe, on va bénéficier. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous voulez toujours déresponsabiliser l'État haïtien. Vous voulez toujours déresponsabiliser l'État haïtien. Mais mon groupe secteur privé qui a besoin de fonds l'hôpital avec l'habitat, depuis 10 ans, l'État pas là-dedans. C'est pas comme ça, bagaille au fait. Aux États-Unis, tout gros l'hôpital où est-ce, c'est don de gouvernement américain d'abord, font groupe, ensuite, ils gèrent l'ensemble. Parce que ce n'est pas seulement construit là. Regardez, après qu'on construit un bel hôpital, parmi les balais, non ? Et Gonaïve. L'éléphant blanc. L'éléphant de Gonaïve. Ou pas même quoi pour faire le marché. Ou construit un bel hôpital Jacmel. Ou pas faire le marché. Faut qu'il y ait un fonctionnement. Quoi construit l'hôpital là, moins que quoi fonctionnement. Donc, vous finissez bel l'hôpital à qui vous faire le marché. Pas grand, c'est le monde qui peut payer l'hôpital ça pour faire le marché. L'on a la République Dominicaine, où sont unités parmi 10 000 calés chaque jour dans l'hôpital là. Donc, c'est une façon trop simpliste de déresponsabiliser l'État. C'est ce que le MTV, le mouvement de la troisième voie, va changer. L'État doit prendre son rôle. Prévalter Doumba Ali Patfel, restaurer l'autorité de l'État. Restaurer la responsabilité de l'État. Restaurer le devoir de l'État. C'est là pour aller. Et je dis, là, l'État prend responsabilité. Tout le monde a rentré dans l'ordre. Tout le monde a fait ça pour faire. Parce que quelque part, même là, on est dit le pavé payer impôt. Le premier ministre, Jacques Guy Lafontaine, pas payé 5 ans et que me condamne. Mais en même temps, tout. Ou dit, il dit, mais comme l'État, ça, son l'État volé lié. Son l'État gaspilleur. Faut l'État d'abord faire respect. Qui veut son respect? Se le procure. Parlement n'a pas fait respect. Et ça fois, ça arrivé semaine dernière dans le Parlement arrivé. Son Parlement bandilier. Le pouvoir n'a pas fait respect. Donc, oui, nous capables bon 5 minutes toujours. Bon, moi, question ça. Comment Reginald Boulos te vive expérience ça, le frère est arrivé dans le Sénat et que il perd. C'est une injustice. Parce que il dit que tu es américain. C'est injustice, c'est pas vrai. Il n'est pas américain. Il était dans la même situation avec moi. Il est né aux États-Unis, il a renoncé à sa nationalité. D'ailleurs, le Sénat n'avait pas le droit de mettre un sénateur à dehors. Ça n'existe pas. Seul le tribunal peut décider de la nationalité d'un individu. Ok? Cette luse, son bagage injuste qu'il fait, c'est pouvoir qu'il fait, pouvoir prévaloir qu'il fait, avec deux ou trois sénateurs, mais c'est la plus grande injustice qu'il gagne. Et jusqu'à présent, si Woody Boulos a le nord-est, je dis à la. Les candidats sénateurs. Et puis on va chercher bloquer le sénateur à 8h du matin. Donc, peuple à Vlil. Ou pas quoi ça qui arrive autour, non? Qui ça? Ou même ça qui arrive. Arrive comment? Si c'est le peuple à Vlil, peuple à Vlil prendre la main.
Nous devons annoncer ça pour tout le monde. Depuis que CAP a tablé, fait ma goût pour Bamkane, peuple a pris le bras dans le mail. Ça m'avait tout. Son façon officielle pour déclarer pour candidat pour 2020. Mais tout candidat à la candidature. Ça veut dire que je suis en primaire. En troisième voie, qu'il y a d'autres candidats. Je suis d'accord avec nous, pas aucune façon, parce que c'est pas vous même qui visez. C'est pas vrai. Vous nous faites commencer. Nous faites. Écoutez, je suis un homme rationnel. Si moi je vais dans parti et puis PRR dans parti à tout et puis me font sondage, moi c'est PRR qui a gagné l'élection, c'est pas original. Ça m'a cherché. Ça m'a cherché. C'est pas même qui figure qui pique connu dans le mouvement. Mais le mouvement est naissant. Le mouvement a deux ans encore. Le mouvement a deux ans encore. Ou rempli, je n'ai pas besoin de citer dans le jeu, mais on prend le saisi. En août, en novembre, l'autre des quatre cités monde qui n'a pas tiré. Des personnalités qui sont capables de tout. Briguer la présidence. Donc lancement officiel là, c'est pour novembre. C'est pour novembre. Et pour qui ça, Reginald Boulos Patal, renforcer ensemble des partis politiques, le parti politique qui est là, souterrain, il est obligé de venir avec troisième voie. Nous t'es tenté en 2007, il n'y a pas de marché. Avec qui est-ce? Avec fusion. Il n'y a pas de marché. Okay. Parce qu'il y a un problème fondamental dans le parti politique. C'est l'alternance. Ou est dans le parti troisième voie, pas de personne qui a occupé aucun poste plus de deux mandats. Ou pas qu'un secrétaire général à vie. Vous imaginez un parti famille Lavalas, le coordonnateur est à vie. Pendant que tu as goûté contre le président à vie. Nous-mêmes, nous avons fait alternance. Le coordonnateur national de la troisième voie aujourd'hui, provisoirement, est un jeune de 30 ans. Il s'appelle Shout Semsi Kazir. Jeune leader de l'université. Okay? Tout le monde qui est autour de nous. C'est lui. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça avait l'idée à monter. C'est lui qui monte. Toute réunion m'a fait. C'est lui qui a organisé. Serge Montes. Gary Victor. Nous avons monde qui a travaillé. Gary Victor écrivait et fait partie de troisième voie. Gary Victor a travaillé avec nous sur monter troisième voie. Serge Montes. Fenlesius. Jeune universitaire. Si monsieur Ohio, il est très actif avec nous tous. Donc, nous quoi dans la jeunesse là? Je me rends une bonne question, mais maintenant. Non, son question auditeur, parce que le docteur a fait une déclaration sur la question gaz là. Mon auditeur a demandé, et il m'a dit, il faut ne pas quitter gaz là, monter. L'auditeur a dit, est-ce qu'on n'a pas peur pour ça que tu es arrivé, président Jovenel, il était en campagne, pour lui dire que le monde qui t'a monté gaz là, c'est criminel, pour ça, pas arriver au pouvoir. Non, moi, je dis, tant que la qualité gaspillage, ça y ou pas qu'à prendre. Sous peuple là pour aller monter plus gaz là. Maintenant, lorsque vous mettez l'ordre dans l'État, lorsque vous ramassez 400 millions de dollars sous contrebande, lorsque vous ramassez 300 millions de dollars impôts sur le revenu, que peuple là a fait centre de santé, ou a fait l'école, ou a construit infrastructure, ou a fait route, et qu'on dit qu'il faut monter gaz là, peuple là bat bravo pour vous. Vous pas qu'à faire pendant qu'on même vous mangez quoi l'État, vous mangez quoi peuple là. Voici la différence. Ou pensez Haïti a avancé sans nous pas mettre un bout dans politique de haine qui caractérise la société aujourd'hui là. Mais normalement, il faut mettre l'ordre à l'exclusion. Son pays d'exclusion continue dans tous les sens. Moun en haut, moun en bas. Moun noir, moun rouge. Moun pauvre, moun riche. Vous voyez qu'on est de poil à l'école, le mettons en exclusion. Bouki malice. Ça qui est terrible là. Yo fait malice qui sont magouilleux. Quand on élément d'intelligence. Nous sommes élevés dans une structure d'exclusion. Il faut arrêter l'exclusion. Il faut l'inclusion. Il faut l'unité. C'est pour ça que le parti de la troisième voie prend ses idéaux chez trois ancêtres. Dessalines, Christophe et Toussaint Louverture. Car Dessalines nous prend cinq idéaux. L'unité nationale, la refondation de l'économie nationale, la justice sociale, la souveraineté nationale, l'intégrité nationale. Kai Christophe nous prend l'esprit de grandeur, d'organisation et de fierté. Kai Toussaint Louverture nous prend la dignité et la liberté. C'est un ramassage de ces idéaux, de ces ancêtres qui fait de nous aujourd'hui la troisième voie. Merci un peu, Reginald Boulos. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée à tous les auditeurs. Voilà, Reginald Boulos, c'était invité dans la T1.